Je prie. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te rendre grâce et bénir ton saint nom. Pour ce moment, Seigneur Dieu, que tu nous as donné de pouvoir mettre à part pour nous approcher de toi. Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, nous avons tant besoin de ton assistance. Nous avons tant besoin, Seigneur Père, d'être renouvelés dans notre pensée, Seigneur Père, afin de discerner ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite, Seigneur Père. Nous avons tant besoin, Seigneur Père, d'avoir tes instructions afin de marcher dans tes voies. Seigneur Père, nous ne voulons pas marcher selon les convoitises de notre cœur, mais nous voulons vraiment être dans ta volonté, faire exactement ce que tu nous demandes. Père, nous ne voulons pas nous détourner ni à gauche ni à droite, Seigneur Père, mais nous voulons garder les yeux centrés sur toi, Seigneur Père éternel, pour être uniquement consacré, Seigneur Père, à ce qui glorifie ton saint nom. Car tu as dit, heureux le serviteur que son maître trouve éveillé, Seigneur Père. C'est cela même que nous voulons être attelés à la tâche pour laquelle tu nous laisses sur la terre, Seigneur Père. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quelles que soient les déceptions, Seigneur Père éternel, nous voulons, Seigneur Père, continuer la marche, car tu as dit dans ta parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Seigneur Père éternel. Père, nous ne pouvons que compter sur ta main puissante, Seigneur Père, pour nous garder sur le chemin étroit, Seigneur Père, jusqu'à l'arrivée. Seigneur Dieu, je te remets ton Église encore entre tes mains et tends ta main sur nous, Père. Nous voulons te demander pardon encore pour toutes nos insuffisances. Pardon, Seigneur Père, pour tous nos manquements, pour tout ce que nous avons fait, Seigneur Père, qui n'ait pas été à ta gloire, pour tout ce que nous avons fait qui est contre ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, purifie nos cœurs, nos pensées, Seigneur Père, nos paroles, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, continuer la marche avec toi et être de véritables ambassadeurs du royaume des cieux, Seigneur Père éternel. Conduis-nous, Seigneur Père, dans ta parole. Éclaire notre intelligence spirituelle. Renouvelle-nous, Seigneur Père. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de continuer à avancer, Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai une question à nous poser sincèrement. J'ai commencé par la poser tout à l'heure. Quand il y a eu Fanuela qui partageait ce qu'elle a reçu, moi j'ai répondu déjà, mais je vais nous poser la question quand même. Est-ce que nous croyons que Jésus revient bientôt? Intellectuellement ou pratiquement? Intellectuellement, c'est dans la tête. C'est sûr qu'on doit le croire intellectuellement, puisque c'est la tête qui le reçoit d'abord. Est-ce que dans le cœur, est-ce que nous croyons vraiment que c'est la vérité? Jésus a dit que lui-même ne sait pas. Quand je dis bientôt, je ne parle pas d'une date, je n'ai pas avancé une date. Je dis, est-ce que nous croyons que Jésus revient bientôt? J'ai posé la question un peu aux parents qui sont là. Vous avez des enfants. Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? Pour qu'ils soient éduqués. Pourquoi vous le faites? Parce que vous croyez qu'ils en ont besoin pour pouvoir s'en sortir demain. C'est parce que vous y croyez que ça déclenche une action derrière. Si vous dites, nous, on croit que nos enfants ont besoin d'éducation pour s'en sortir dans la vie et que vous les laissez à la maison. Est-ce que vous y croyez vraiment qu'ils ont besoin d'éducation si vous les laissez à la maison, sans les envoyer où ils peuvent être éduqués? Est-ce qu'on peut réellement dire que vous croyez qu'ils ont besoin de cette éducation-là? Moi, je pose la question. C'est très simple. C'est vraiment pour nous amener à être sincères, à savoir si réellement nous disons des choses de notre bouche
Parce que, en fait, c'est l'action, c'est les décisions que nous prenons derrière le fait que Jésus revient qui prouve que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas. Parce que beaucoup de personnes dans la rue croient que Jésus est le Fils de Dieu, croient beaucoup de choses sur Jésus, qu'il est tout puissant, ainsi de suite, mais ça ne change rien dans leur vie. Ils continuent à vivre comme ils vivaient s'ils ne savaient pas que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils croient vraiment au Seigneur Jésus? Disons que quand tu connais la vérité, non. Mais ils pensent être dans leur vérité. Ah. Donc, je repose dans la question maintenant. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus revient bientôt? Oui, parce que c'est écrit, parce qu'il y a des signes qui prouvent qu'il va revenir. D'accord, ok. Est-ce que vous croyez que l'Église primitive croyait que Jésus revient bientôt? À leur époque? Oui. Vous avez vu la vie qu'ils avaient? Leur vie prouvait qu'ils croyaient véritablement. Quand l'apôtre Paul dit au Pierre que le Seigneur ne tarde pas, quand on voit les décisions, l'acharnement qu'il a dans sa vie, on sait que c'est quelqu'un qui croit véritablement. C'est pourquoi je nous pose la question, soyons honnêtes, est-ce que réellement nous croyons que Jésus peut revenir d'une minute à l'autre? Je vais lire un verset dans Tite 1, verset 16. Ça va peut-être nous aider à comprendre un petit peu comment la parole de Dieu définit ces choses-là. Tite 1, verset 16 dit... Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par quoi? Par leurs œuvres. Profession, c'est quoi? La bouche. La bouche confesse quelque chose, mais les œuvres prêchent le contraire de ce que la bouche dit. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors ça peut nous permettre de réfléchir, d'examiner, de nous sonder nous-mêmes à la lumière de la parole pour savoir si le fait que nous savons, que nous sommes convaincus que Jésus revient bientôt, est-ce que ça a déclenché, est-ce que cela a déclenché dans notre vie pratique, concrète, quotidienne de tous les jours, des prises de décisions sur lesquelles, bien évidemment, nous demandons au Seigneur de nous soutenir pour que nous puissions, être à la hauteur des engagements que nous avons pris avec le Seigneur. Parce que bien évidemment, on peut prendre des décisions, mais après, il faut que le Seigneur nous soutienne pour que nous puissions tenir parole. Est-ce que réellement, cela a déclenché des prises de décision ou est-ce qu'on dit simplement de la bouche, Jésus revient, comme quelqu'un peut dire, je crois au bon Dieu, et il continue à pécher tranquillement, comme si le bon Dieu, effectivement, n'existait pas. Bon, est-ce que nous croyons... Quelqu'un qui croit que Jésus revient, qu'est-ce que ça doit impliquer dans sa vie, dans sa marche? Qu'est-ce que ça doit impliquer? La crainte. La crainte. Moi, je suis arrivé en retard tout à l'heure, je ne voulais même pas monter. J'avais honte de monter, pourtant je sais que ce n'est pas ma faute d'être en retard. Pas à cause de vous, mais à cause du Seigneur. Parce que je sais que dans les derniers temps, ce n'est plus tolérable, ce genre de choses-là. Je le sais, j'en suis conscient et ça me fait souffrir énormément. Faut pas croire que ça me fait souffrir.
Ça peut être un détail pour certains, mais ça me fait souffrir énormément de savoir que je voulais être là en même temps que le Seigneur arrive, mais je n'ai pas pu. Parce que je sais que Dieu n'est pas content de ça. Ce n'est que ça qui me rend triste. Parce que j'aurais beau venir prier, Seigneur, pardonne-moi. C'est la prochaine fois, c'est pareil. En fait, c'est comme si, excusez-moi l'expression, je m'en foutais de Dieu. C'est un peu comme ça. Est-ce que réellement, nous sommes sincères avec Dieu? Est-ce que réellement, nous prenons toute la mesure? Est-ce que réellement, nous mesurons qu'est-ce que ça veut dire que Jésus revient bientôt? Moi, j'essaye de le voir pratiquement, concrètement, dans ma vie personnelle. Je le conçois, je fais des efforts et je sais que c'est très insuffisant. Très, très insuffisant. Par rapport à la connaissance que j'ai. Moi, je parle pour moi, j'essaye de répondre aux questions que je pose là. Je sais que c'est très insuffisant la manière dont je vis, sachant que Jésus revient. Je sais que c'est très insuffisant la consécration que j'ai pour le Seigneur. Je sais que c'est insuffisant. Ça ne doit pas être assez concret dans nos cœurs. Ça doit être plus intellectuel, j'ai envie de dire. Bon, je ne peux pas avoir un peu d'effort obligé de le reconnaître. C'est vrai, quand on lit certains textes, la vie comme le Seigneur nous demande, et des fois comme on vit. C'est vrai qu'on constate soit un décalage. Parce qu'il y a des moments, effectivement, quand tu lis la parole, tu vois vraiment si tu prenais un mot, à la limite, tu arrêterais. Je ne veux pas dire de travailler, mais tu changeais mais en un instant quoi, de vie. Et puis je pense que bon, peut-être c'est le moins qui fait ça. On revient encore à la réalité du monde. Bon, il faut manger, il faut si on a tel engagement. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce piège-là où on est entre deux et on avance comme ça. Et c'est vrai, finalement, des fois ça peut stagner. D'accord, bon. Enfin, prenons le problème, il est... comment dire? Bon, il est assez grand. Si on essaye de le décomposer en petits morceaux qui sont à notre portée. Bon, avant d'aller refaire la vie, le travail, tout ça, bon, on est engagé et tout. Laissons d'abord ça. Ça, ce sont des gros morceaux. Si on prend déjà la vie concrète, pratique de tous les jours. Je vais lire un autre passage dans ma version ici. C'est dans 2 Timothée chapitre 4. Il y a une expression qu'il utilise ici. 2 Timothée chapitre 4. Verset 2 à 3. 2 Timothée chapitre 4. Verset 2 à 3. Il dit, prêche la parole, insiste en temps et hors du temps, reprends, censure et exhorte avec toutes sortes de douceur et en instruisant. Verset 3, c'est celui que je voulais lire. Il dit, car il viendra un temps que les hommes ne, dans beaucoup de versions, c'est écrit, ne supporteront plus. Mais dans ma version écrite, ici c'est écrit, car il viendra un temps que les hommes ne souffriront point la saine doctrine. Les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'assembleront des docteurs selon leur propre désir. Ils ne souffriront plus la saine doctrine. Cela suppose en fait que la crainte de décevoir le Seigneur, la marche dans la sanctification pratique au quotidien va entraîner des souffrances dans notre vie personnelle.
avant de prendre les décisions par rapport au travail, déjà, est-ce que nous acceptons de souffrir parce que nous sommes disciples du Seigneur? Souffrir des injustices. Souffrir de la mort à soi-même. Souffrir que la croix travaille dans notre vie. Pratiquement, concrètement, à cause du nom de Jésus. Parce que en tant que disciple de Jésus, le Seigneur ne me permet pas de faire telle chose. Le Seigneur ne me permet pas, je ne sais pas, de me mettre en colère, dont je préfère souffrir. Au lieu d'avoir à laisser ma chair s'exprimer. Est-ce que déjà, sur des petites choses comme ça, c'est ça qui commence déjà par montrer que je sais que Jésus peut arriver d'une minute à l'autre. Parce que je ne veux pas que Jésus arrive et à la seconde où il arrive, il me trouve dans un état intérieur qui ne glorifie pas son nom. Donc je vais éviter sur 24 heures le maximum possible, si c'est possible, 23h51 minutes et 51 secondes de me mettre dans un état où si Jésus arrive, je ne pars pas. Ça, c'est l'objectif quand quelqu'un se lève le matin de sa journée, quelqu'un qui attend du Seigneur. C'est ça l'objectif qu'il se fixe dans la tête. Pendant au moins, je peux même dire, l'objectif c'est 24 heures sur 24. Je dois tout faire, quelle que soit la souffrance intérieure que cela va m'infliger. Je dois tout faire sur les 24 heures là, le maximum d'heures possible, instant par instant, de me retrouver dans une situation où je sais. Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible, on l'a lu la dernière fois, l'Esprit dit expressément, en ce moment, si chaque enfant de Dieu dans son cœur, il sait à quel moment il n'est pas dans la volonté de Dieu, et il sait pertinemment que si la trompette sonne à cet instant, il ne part pas. Il le sait. Le Saint-Esprit, en ce moment-ci, ne laisse absolument aucun enfant de Dieu indifférent. Je parle des vrais disciples qui sont nés de nouveau. Ils le savent. Donc, quand quelqu'un décide de ne pas faire violence à sa chair et de rester dans cet état-là, il est un rebelle. Et si la trompette sonne, il ne partira pas. Ça, c'est la vérité. Si Paul, 2 Corinthiens 12, je connais un homme qui a été ravi dans le troisième ciel, qui a entendu des paroles ineffables qui n'est permis à un homme d'entendre. Ça, c'est l'excellence de la révélation que Paul a eue. Celui-là qui était si proche du Seigneur, qui a eu toutes ces révélations, quelqu'un à qui Jésus s'est présenté pour l'appeler au ministère, il dit, je crains, je traite durement ma chair. Ce n'est pas Satan qui traite, c'est sa chair. Il ne parle pas de se flageller comme les catholiques font, non. Il parle de lutter contre l'expression de sa chair. Parce que la chair veut toujours s'exprimer. Je lutte et je maintiens mon corps dans la soumission afin que, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas laissé en arrière. Si Paul dit ça, nous, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que l'Esprit, et il le dit d'ailleurs, lui rendait témoignage qu'il marchait comme Dieu veut. Et il dit qu'il craint qu'après avoir prêché aux autres, lui ne soit laissé en arrière. Qu'est-ce que nous on va dire? Si lui craint d'être laissé en arrière, parce que nous on a tendance à nous passer la pommade, oh non, nous sommes des enfants de Dieu, on va être enlevé. Si Paul craint d'être laissé en arrière, et le Saint-Esprit a laissé ça dans la Bible. Ce n'était pas qu'il avait un excès de zèle. Non. S'il a laissé, c'est qu'il le croyait vraiment. Et l'Esprit de Dieu lui disait, fais attention. Ne te séduis pas à cause de l'excellence de tes révélations. Si toi-même tu ne marches pas comme le Seigneur le demande, tu ne partiras pas. Si Paul dit déjà que lui, il craint de ne pas partir, à plus forte raison. C'est que nous, on a tendance
a abaissé le standard de la perfection dans laquelle, quand Jésus dit je viens chercher une église en tête, on dit bon, oui. Bon, tant qu'à faire, c'est pas exactement ça. Mais si Paul dit une telle parole, qu'est-ce que ça suppose concrètement? Ça suppose que on doit avoir de façon pratique, concrète, ces objectifs-là, de traiter durement notre chair, de la maintenir le plus longtemps possible dans la soumission à la parole de Dieu, afin que l'Esprit seul puisse s'exprimer. Et ça, ça va nous faire énormément souffrir intérieurement. C'est pourquoi il dit, certains ne souffriront plus la saine doctrine. C'est à cause de la recherche de l'excellence en Christ qu'on va avoir ces souffrances-là. Mais si tu veux toujours te justifier, si tu veux toujours dire c'est l'autre qui a tort, si tu veux toujours trouver un alibi pour marcher d'une manière qui ne glorifie pas Dieu, tu seras laissé derrière. Ça sera très simple. La Bible dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé, 8 personnes. Il y avait 2 milliards de personnes sur la terre. Dieu a pris 8 personnes. Il n'a pas pris plus que ça. Il n'a pas dit, bon, comme il n'y a que 8 personnes, on va essayer de combler, on va rajouter, on va baisser pour que tout le monde... Non, il a pris 8. Il a laissé 2 milliards moins 8 personnes derrière. Il en sera de même qu'au temps de Lot. C'est Luc 17 qui dit ça. Lot, combien de personnes ont été prises? Lot, ses filles, il était 2 filles vierges. Sa femme a été transformée en statue de sel. 3 personnes. Dans tout Sodome et Gomorrhe qu'il y a. 3. Même les propres filles de Lot qui avaient épousé les gens de Sodome, donc qui avaient des liens, des compromis avec le péché, sont restées. Les anges ont pris Lot, ses 2 filles, sa femme qui a même commencé le chemin et qui est restée en route. La Bible dit que tout cela a été écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est 1 Corinthiens 10 qui dit ça. Je pense que toutes ces paroles-là doivent nous amener à méditer vraiment sur la préparation que nous avons du retour du Seigneur. Est-ce que réellement, quand je vais dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt, si dans ma vie personnelle, je ne suis pas en train de vivre comme quelqu'un qui attend réellement Jésus, quelle conviction je vais pouvoir donner à l'autre si je ne suis pas convaincu? Si mes œuvres et mes actes prêchent le contraire que Jésus revient, si mes œuvres et mes actes semblent montrer que Jésus va revenir le plus tard possible, je veux convaincre quelqu'un qui regarde les signes à Jésus revient bientôt, mais jamais, jamais, l'Esprit de Dieu ne va pas valider le témoignage que j'apporte à l'autre, ne va pas valider la puissance que j'apporte à l'autre. C'est vrai que le Seigneur dit de répandre la bonne nouvelle, de sortir, d'aller prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas, d'aller annoncer que Jésus revient bientôt, qu'il veut sauver encore, qu'il y a la place dans l'arche et tout. Mais si ma vie de tous les jours est une calamité et que Jésus n'a jamais, nous n'avons jamais laissé Jésus transformer notre vie, si notre vie pratique n'est pas une vie qui produit le fruit digne de la repentance, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien d'aller évangéliser les gens. Puisque je ne suis pas transformé, quelle transformation je vais apporter aux autres? Qu'est-ce que je vais aller... Je ne peux pas leur transmettre la vie si je ne l'ai pas. Quelle vie? Je vais apporter la mort que j'ai aux autres. Tout cela sont des éléments pratique, concret, où on doit se mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai assez joué, j'ai assez pratiqué la religion, je veux laisser la religion de côté, je veux me voir, m'examiner dans ton miroir tel que je suis devant toi. Seigneur, dis-moi si je suis sur le chemin.
Dis-moi si je me trompe en quelque point que ce soit. Je veux vraiment savoir. Montre-moi s'il est possible, dans un songe, si tu viens maintenant, si je vais partir ou pas. Le Seigneur va le faire. Si on est sincère. Si on a vraiment décidé de marcher comme Jésus veut, le Seigneur va le faire. Mais si on veut rester dans l'insouciance, la Bible le dit dans 2 Pierre 3, les gens étaient dans l'insouciance jusqu'à ce que, ainsi de suite, l'eau arrive et submerge la terre, ainsi de suite. Voulons-nous être dans cette insouciance? Non pas par la confession de notre bouche, mais par le témoignage de notre vie. Parce que la bouche peut confesser, effectivement, Jésus revient bientôt, mais la lassitude que nous avons comme l'église de Laodicée. Puisses-tu être ou froid ou bouillant? Sinon, je te vomirai. Est-ce que je suis bouillant? Est-ce que je suis froid? Chacun peut répondre. Il peut dire, est-ce que je fais l'effort de faire ce que Dieu attend de moi? Avant de ne pas y arriver, avant d'échouer, est-ce que j'ai au moins demandé la force, l'organisation, tout ce qu'il faut au Seigneur pour pouvoir le faire? Ou est-ce que je croise les pieds et j'attends que Jésus revienne? C'est bien toute la théorie, les attentats, ceci, toutes les... Oui, on peut discuter intellectuellement, mais après tout cela, après avoir analysé tout, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Qu'est-ce que ça nous a fait comprendre pratiquement? En quoi est-ce que ça nous a boosté? Parce que tout cela, Jésus, il ouvre les yeux de son église pour comprendre dans quel temps nous vivons, afin que nous changeons nos priorités. Afin que nous prenions des engagements, nous prenions notre consécration au Seigneur au sérieux. Mais si on ne prend pas des décisions, si on le voit toujours de loin comme ça, est-ce que réellement nous croyons que Jésus revient bientôt? Moi je dis non. Je suis sincère. On ne croit pas que Jésus revient bientôt. On est obligé de l'accepter parce que la Bible le dit et on ne peut pas contester quand on voit ce qui se passe. Mais par contre, le fait que nos actes montrent le contraire, notre façon de vivre et nos priorités montrent le contraire, ça veut dire qu'on n'y croit pas. Parce que le Seigneur ne considère, je le dis tout le temps, ne considère que nous savons de la Bible que ce que nous mettons en pratique. Que ce qui déclenche des actions pratiques dans notre vie. Là, il suppose qu'on le sait. S'il te voit agir d'une certaine façon, parce que dans ta tête, tu te dis, parce que Jésus revient bientôt, je ne peux plus faire tel, je ne peux plus me laisser dans tel état. Là, le Seigneur dit, ah oui, lui, vraiment, dans le secret de son cœur, il croit effectivement que je peux arriver dans l'histoire. Mais si on reste comme ça, dans l'insouciance, on vit toujours comme si ça arrivera dans 10 000 ans. On ne peut pas dire que Jésus revient et on ne peut pas convaincre les gens que Jésus revient. Le Saint-Esprit ne peut pas attester notre témoignage. Ce n'est pas possible du tout, du tout. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Il faut qu'on soit réaliste et que l'on sache vraiment les temps dans lesquels nous vivons. Regardons un peu les lettres que Jésus adresse aux églises par la plume de l'apôtre Jean. Dans Apocalypse chapitre 2, on va lire dedans s'il y a des exhortations, des conseils que nous pouvons prendre pour nous aujourd'hui afin de pouvoir grandir, marcher mieux, prendre conscience véritablement et prendre nos engagements personnels. Il ne faut pas attendre que nous soyons comme, comment dire, un peu comme des moutons qui suivent le troupeau. Non, faut pas attendre que l'assemblée ait décidé de faire ça pour... Non, nous sommes des disciples. Nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu nous convainc de faire quelque chose. Lève-toi et va faire ce que Dieu te demande de faire. N'attends pas que l'assemblée dise on va faire ceci tel jour. Non, lève-toi, va faire ce que le Seigneur te demande de faire. Prends tes décisions personnelles. Prends en charge ta vie spirituelle personnelle devant Dieu. Prends ces engagements-là avec le Seigneur. Et d'ailleurs, l'assemblée ne pourra que bénéficier justement du débordement de grâce qu'il y aura dans ta vie.
Apocalypse chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est pour apporter des avertissements à l'église. Sachant que Jésus est déjà reparti, là on parle des derniers temps. Sachant que les derniers temps ont commencé avec la venue de Jésus, hein, ce n'est pas maintenant, là on est dans la fin des derniers temps. Donc il dit ici, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les sept étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. On s'était déjà arrêté sur ce mot-là, qui est essentiel dans la marche d'un enfant de Dieu, encore plus dans la fin des temps. Et Jésus le présente comme étant un compliment, un encouragement, quelque chose qui réjouit son cœur. La persévérance. Nous manquons souvent beaucoup de consistance. Je parle souvent du Seigneur qui ne veut pas le feu de paille, où on dit beaucoup de choses et après on ne tient pas les engagements. Ecclésiaste dit qu'il vaut mieux fermer la bouche que de prendre des engagements vis-à-vis du Seigneur. La persévérance. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, le péché, ainsi de suite. Oh, ils ne peuvent supporter. Nous, on supporte même le péché, l'homosexualité, tout ça, ça ne nous dit plus rien du tout. On supporte ça. Mais eux, ils ne supportaient pas. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, tester les fausses doctrines, ainsi de suite, et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Oui, on dénonce les fausses doctrines, c'est très bien. Ensuite, il dit, tu as la persévérance. Il dit ça deux fois, la persévérance, deux fois. Il y aura beaucoup de choses qui vont essayer de nous faire tomber. À nous maintenant de prier le Seigneur pour avoir le discernement, pour éviter de tomber dans ces pièges-là qui vont se présenter. Ça se présente sur différents aspects. Chacun scanne sa vie, verra plein de pièges qui sont là pour l'éloigner justement de la persévérance dans le Seigneur. Ensuite, il dit, tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert à cause de mon nom. Nous avons la grâce que peut-être en allant à l'extérieur ou en témoignant le nom de Jésus dehors, on ne souffre pas encore suffisamment. Mais à cause de la saine doctrine, notre vie pratique de tous les jours doit être une souffrance. Parce que la chair ne meurt pas sans se débattre. Et c'est quand elle se débat qu'on va souffrir. À cause de vouloir mettre la saine doctrine en application, la sanctification, la mort à soi-même, manifester le fruit de l'esprit envers et contre tous, contre vents et marées, c'est ça qui va apporter la vraie souffrance à cause du nom de Jésus. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la souffrance où tu sors, on va te lancer les cailloux. Peut-être ça va arriver, pour l'instant on n'en est pas encore là, mais il y a déjà une souffrance par laquelle nous devons passer, c'est la souffrance de la chair qui meurt à elle-même, qui renonce à elle-même, qui accepte de rester dans la mort. Tu ne t'es pas lassé. Donc, quelqu'un qui ne se lasse pas, c'est quelqu'un qui persévère. Parce qu'à un moment donné, on peut dire, finalement, je suis fatigué de tout ça. Je préfère vivre comme j'étais. Tout cela, je fais des efforts, ça ne paye pas. On sera tenté de dire des choses comme ça. Et abandonner. Et le diable, c'est à l'usure qui va nous avoir. C'est à l'usure qui va nous avoir. Si on n'est pas persévérant, si on est inconsistant, c'est à l'usure que le malin va nous avoir. Quand on va baisser les bras, et c'est là que ça sera trop tard. Le Seigneur a dit, faites attention, prenez garde, le Fils de l'homme reviendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Il disait ça aux disciples, à l'église, à l'heure où vous ne l'attendrez pas, c'est là où il reviendra. Mais celui qui est prêt tout le temps, lui, il n'a pas à... Comment dire, à s'en faire par rapport à cela. Ensuite, maintenant, il dit, verset 4, Apocalypse 2, verset 4, mais, j'ai contre toi. On aurait pu dire, ok, regardez, c'est quand même un beau tableau, là, qu'il a dressé de l'église d'Éphèse. On aurait pu dire, mais ça, c'est une église spirituelle, c'est bon, ça va. D'ailleurs, quand on lit l'épître aux Éphésiens, c'était le plus spirituel de toutes les églises qu'on voit là dans la parole. Mais le Seigneur a quelque chose contre eux, aussi spirituel qu'il soit.
mais j'ai contre toi. Et c'est là qu'on voit que pour ses enfants, par amour pour ses enfants, parce qu'il recherche la perfection, parce qu'il veut prendre une église sans tache ni ride, il va dans les détails pour que même dans les détails, il y ait la perfection. C'est pour ça qu'il dit, mais j'ai contre toi, alors que c'est une église, quand on regarde, qui marche quasiment dans la fidélité. Quasiment. Mais pour Dieu, il ne veut pas quasiment, il veut totalement. Mais j'ai contre toi. C'est une église qui avait toute la puissance de Dieu, qui manifestait les miracles et tout ça. Donc, il faut vraiment analyser ici qu'est-ce qui est important pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend? Il ne dit pas, tu n'as pas fait des miracles, ainsi de suite. Regardons bien ce qu'il dit là. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. On peut entrer dans la routine. On fait les choses maintenant, bon, parce qu'il faut les faire. Donc, on peut même faire les choses, mais la motivation qui est dans le cœur n'est plus celle qui doit être. La flamme qui est dans le cœur n'est plus celle que le Seigneur qui boue vraiment de plaire au Seigneur. Non, on est entré dans la routine, en fait. On le fait maintenant parce qu'il faut le faire. Je vais au culte dimanche parce que bon, ben les frères m'attendent là-bas, s'ils ne me voient pas, bon voilà, je vais évangéliser parce que bon, on va faire comment, il faut le faire ainsi de suite. Non. Constamment, on doit être renouvelé dans notre pensée pour que le Seigneur renouvelle notre pensée et nous rappelle combien c'est urgent, combien c'est important, combien les gens sont en train d'aller en enfer sous notre regard. Est-ce que réellement nous croyons que l'enfer existe même? Je ne sais pas. Si nous voyons les gens autour de nous qui vont en enfer, on ne dit rien. Je me demande, est-ce qu'on croit vraiment que l'enfer existe? Mais tous les chrétiens vont dire qu'ils croient. Mais entre-temps, les gens à côté d'eux vont en enfer. Et ils ne disent rien. Voilà comment on renie par notre comportement, c'est Tite qui le disait, par nos œuvres, on renie la puissance de la foi. Mais comme nous ne sommes pas sincères, nous avons la forme apparente. On avait vu la dernière fois aussi. Ils ont gardé la forme extérieure de la piété. Les œuvres superficielles que nous faisons pour le Seigneur ont tendance à apaiser notre conscience que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu, alors que nous avons abandonné l'amour pour le Seigneur depuis très longtemps. Et nous sommes entrés dans la routine. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur ne va pas dire, bon, ok, c'est pas grave, je viendrai quand même et je vais te prendre comme ça. Le Seigneur lui donne à une église aussi fidèle, aussi spirituelle que l'église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. À une église spirituelle. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai pris le cas de Paul. Je dis, si Paul avait une marche aussi excellente, au point où l'Esprit de Dieu le pousse à dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et lui, il dit, j'ai peur, je traite durement mon corps parce que j'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, je reste. À plus forte raison, nous. Voilà encore l'église d'Éphèse, on voit le tableau qu'ils ont. Nous, on est en train de se demander si même on pouvait même déjà être au stade de l'église d'Éphèse, vraiment. On serait presque sûr même déjà d'être enlevé. Mais il dit à cette église, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viens à toi et j'écarterai le chandelier. J'enlèverai l'Esprit de Dieu. Tu ne pourras plus discerner la volonté du Seigneur. Et tu vas rester dans les propres convoitises de ton cœur. Tu vas faire ce que tu as envie en pensant que c'est l'œuvre de Dieu que tu fais. En pensant que c'est la satisfaction du Seigneur que tu cherches. Alors que ce sont les propres convoitises de ton cœur. Et ce n'est que la religion qui te pousse à faire ça. Ce n'est plus l'amour de Dieu, mais c'est la religion. L'esprit religieux. C'est vrai, nous disons, nous sommes sortis du système. Mais l'esprit religieux du système est encore dans notre cœur. Et ça, ça peut nous faire garder une forme apparente de la piété. Et il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Il faut qu'on lise la Bible en nous examinant par rapport à ces directives-là que le Seigneur donne aux églises que nous sommes aujourd'hui. Pratique tes premières œuvres.
et il donne une menace, une sentence à une église aussi spirituelle. Il dit sinon j'écarterai le chandelier, ton chandelier, de sa place, à moins que tu ne te répandes. Se repentir, confesser son péché et l'abandonner. Deux temps, confession, abandonner. Ce n'est pas je reconnais et je continue. Non. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. La vraie repentance, c'est prendre la décision de délaisser une fois qu'on a confessé. Ensuite, maintenant, il reprend au verset 6. Cependant, tu as ceci pour toi. Donc, il continue encore dans les compliments. Donc, le Seigneur ne passe jamais la pommade comme ça sur une ligne. Il dit, bon, c'est une ligne partout, même s'il y a un peu, ça c'est pas. Non, il met le doigt sur ce qui ne va pas parce qu'il recherche la perfection. S'il a fait ça avec ces églises-là, nous, il ne va pas nous épargner. Ne nous trompons pas là-dessus. Il va rechercher la perfection pour nous aussi qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ne soyons pas légers en disant, oh, non, ça va aller, oh, c'est bon. Non, nous devons traiter durement notre corps pour que notre marche dans le Seigneur soit parfaite. Parce que Dieu ne laissera pas. On a les cas ici où il n'a pas laissé. C'est Dieu. Nous disons bien que Dieu est un Dieu de justice. S'il est juste, il traite toute l'église de toutes les époques de la même façon. Il ne va pas traiter une église. Ah oui, non, ben vous savez, eux, ils ont les attentats, ils ont le travail, ils ont ceci. Moi, non. Nous serons traités de la même manière que les pierres, les pôles, et ainsi de suite. Il ne va pas dire, oh bon, vous savez maintenant, déjà eux au moins ils ouvrent leur Bible, c'est déjà pas mal. Hein? Non, 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 il ne dira pas ça. Non, ça ne sera pas comme ça. Ça sera le même salut pour tout le monde. Tout le monde va payer le même prix pour être disciple. Alors, ensuite, maintenant, il dit, tu as la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Bon, ensuite, verset 7 maintenant, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, à chaque fois, il parle à l'église d'Éphèse et après, il dit aux églises. Donc, c'est vrai, ça s'adresse à l'église d'Éphèse, mais toute église peut se voir au travers de cela et analyser si elle est concernée par le message que le Seigneur dit. C'est pourquoi il dit ce que l'Esprit dit aux églises. Ensuite, maintenant, il dit aux vainqueurs. Comment on va vaincre s'il n'y a pas de combat? Comment est-ce qu'on va vaincre s'il n'y a pas d'adversaire? Il dit aux vainqueurs, ça veut dire qu'il y a un combat. Il y aura plein de choses pour essayer de nous faire trébucher. C'est tout cela le combat. Et le premier adversaire, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes, parce que le diable est déjà vaincu. C'est notre propre chair et les convoitises de notre cœur que cela entraîne. C'est ça le premier adversaire qu'il faut maintenir dans la soumission. Parce qu'on a reçu l'autorité sur cette chair. Jamais on entend un enfant de Dieu dire au nom de Jésus maintenant que ma chair se taise. Jamais. Mais on va aller dire sur les démons. Pourtant, la chair est même plus dangereuse que les démons encore pour nous faire tomber. Au nom de Jésus, tu vas te calmer maintenant, à ma propre chair. Au nom de Jésus, ma bouche, tu vas te fermer maintenant. Tu vas rester dans le silence total, quel que soit ce que tu entends dans tes oreilles. Quelle que soit la manière dont ton cœur est en train de battre, pour essayer de te défendre et de justifier, tu vas te taire, tu vas la fermer comme les gens du monde le disent. C'est ça. Quand tu atteins ce stade-là, ça montre que le fruit de l'esprit est déjà en train de se manifester. Parce que tu es capable de dire à la chair, maintenant elle reste dans la terre. Le jour où on t'a plongé dans les eaux du baptême, on est censé t'avoir enterré, restez-y. Parce que tu ne peux plus le devenir. Ça, c'est un véritable enfant de Dieu spirituel qui attend Jésus. Mais si on est encore là, flottant, vacillant par la chair qui nous amène dans tous les sens, c'est pas pour maintenant Jésus pour nous. Il y a du travail encore pour chacun d'entre nous. Que
celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur. Premier adversaire, il faut vaincre ta propre chair. Je donnerai à manger de l'arbre de vie, la félicité qui vient après, la couronne qui vient après, mais elle vient après la croix. Si je ne suis pas passé par la croix, il n'y aura pas de félicité, il n'y aura pas d'arbre de vie, mais il y aura juste des belles paroles dans ma bouche que je risque de continuer à confesser pendant la grande tribulation. Ensuite, il dit à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 8 maintenant. Il change d'église, il passe dans une autre ville, à Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation. Donc, il reconnaît que c'est une église qui est dans la souffrance, qui est persécutée à cause du nom de Jésus. Je reconnais ta tribulation et ta pauvreté. Ceux qui prêchent l'évangile de prospérité vont dire, si tu es dans la pauvreté, alors tu n'es pas dans la volonté de Dieu, alors tu as la malédiction. Jésus dit, je connais ta pauvreté. Il ne dit pas, je vais venir te rendre riche matériellement. Il ne dit pas. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. Riche en Dieu. Riche dans le Seigneur. Riche spirituellement et pauvre matériellement. Pourtant, tu es riche selon le Seigneur, riche et pauvre selon les hommes. Ensuite, maintenant, il dit, et les calomnies. Donc, vraiment, si on te calomnie et que l'Esprit de Dieu atteste que tu es dans la vérité, continue à avancer. Ne t'arrête pas pour mettre tout le monde d'accord avec toi si on te calomnie et que c'est la volonté de Dieu que tu continues ta route. Continue sans t'arrêter, sans prêter l'oreille à tous ces qui te distraire. Ça encore, ce sont des distractions qui peuvent venir pour nous amener sur X chemin, sur Y chemin, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel. Il dit ensuite, les calomnies de ceux qui se disent juifs, donc qui se disent chrétiens, mais dont les œuvres renient la foi chrétienne. Donc les chrétiens charnels seront là pour décourager les chrétiens spirituels. Il faut faire attention à ça. Laissons de côté leurs calomnies et continuons à avancer. Si l'Esprit atteste que tu es dans la volonté de Dieu, ne tourne ni à gauche ni à droite, continue à avancer. Ceux qui se disent juifs, parce que leur bouche confesse la foi chrétienne, mais leurs œuvres témoignent qu'ils ne sont pas juifs, qu'ils ne sont pas des chrétiens spirituels marchant dans la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit beaucoup de choses. Si on s'arrête pour scanner les versets qui sont là, on verra notre vie quotidienne, pratique de tous les jours dans la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est un miroir dans lequel quand on voit, moi je vois des trucs concrets, pratiques de ma vie de tous les jours là que je suis en train de voir. Ce n'est pas loin de l'époque de Pierre, des gens là-bas en 600, machin, de, je ne sais pas, en l'an 96, où ils ont écrit. Je vois de façon pratique ces choses-ci se passer concrètement dans ma vie. Alors, ensuite, il dit, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est grave quand même. Synagogue de Satan. Ça, c'est au milieu de l'église de Smyrne qu'il y a une synagogue de Satan. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont influencés par Satan dans l'église de Smyrne. Dans l'église aujourd'hui, il y en a qui ont ouvert la porte à Satan dans leur vie et qui sont influencés par Satan. Et qui essayent de calomnier ceux qui sont véritablement dans la volonté du Seigneur. Et il faut discerner cela et mettre ça de côté. C'est pourquoi les temps de la fin sont très compliqués. Si tu es sentimental, tu vas tomber. Si tu ne sais pas séparer ce qui est vil de ce qui est de la volonté de Dieu, tu vas tomber à cause des sentiments. Il faut être intransigeant comme le Seigneur est intransigeant. Ce qui est vérité est vérité. Ce qui est de Christ est de Christ. Ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. On laisse ça de côté et on avance. Quel que soit le prix, si tu dois finir seul dans le royaume de Dieu avec une seule main et un pied, il faut partir jusqu'à la fin. Celui au vainqueur, je donnerai. Ça veut dire qu'il y aura un combat.
dans le combat, il peut avoir des pertes. Il peut avoir des choses qu'on va devoir laisser en route. L'autre n'a pas hésité, n'a pas dit, oh ma femme, il faut que j'aille t'apprendre ça. Tu le sais. Il a laissé sa femme, il est parti. Il a continué parce qu'on salut en dépendait. Il n'a pas dit, oh, comment c'est le retour, il faut que j'aille. Non, il est parti, il a continué avec ses filles. Malheureusement, c'est ce qui va arriver. À certains moments, si on ne peut plus soutenir, on va laisser pour avancer. Parce que le chemin sera tellement délicat qu'on ne peut plus avancer avec tout le monde. Chacun va devoir s'accrocher jusqu'à la fin. C'est pourquoi Matthieu, on lisait la dernière fois, Luc 21, Matthieu, ben, ils se trahiront les uns les autres. C'est au milieu des enfants de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Parce que les temps seront devenus tellement difficiles que finalement, on va se retrouver, au lieu de s'aimer les uns, ils se haïront les uns les autres. Même si la bouche ne confesse pas ça, les actes vont confesser ces choses-là. Haïr les uns les autres. C'est ce que Jésus dit. Et il connaît nos cœurs et il connaît les temps dans lesquels nous vivons. On ne peut pas dire Jésus s'est trompé, il exagère. Non, il n'exagère pas. Il dit les choses qui sont en train de se passer parce que nous sommes dans les derniers temps. Il a dit ça déjà il y a longtemps. Qui sont une synagogue de Satan au milieu de l'église. Il dit, il ne dit pas qu'il va venir arrêter la souffrance. Prenons, faisons encore attention à cela. Voilà une église qui souffre. Tu souffres parce que tu veux marcher dans la volonté de Dieu. Jésus ne dit pas qu'il va venir arrêter. Il veut que tu ailles jusqu'au bout. Il veut que j'aille jusqu'au bout. Il veut que je continue la marche jusqu'à devenir vainqueur. Parce qu'au travers de cette souffrance-là, il est aussi en train de m'épurer. Pour qu'à la fin, comme Pierre dit, qu'ils ressortent une foi authentique qui a passé l'épreuve de la patience et qui a produit le véritable fruit de l'esprit authentique. Pour être enlevé, ce n'est pas seulement j'ai accepté Jésus, oh mon Seigneur, mon Sauveur m'a plongé dans les eaux du baptême, j'attends l'enlèvement. Il y a encore une longue marche qui est, c'est pourquoi le Seigneur dit aux vainqueurs. Il sait bien ce qu'il met dans vainqueur. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il prévient cette église-là que tu vas souffrir. Il ne dit pas je vais enlever la souffrance. Ne crains pas. Il te prévient déjà et il te dit ne crains pas quand ça va arriver. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Mon ami, si tu coupes ta croix, tu ne vas pas souffrir. Ton évangile sera light, ça sera simple. Si tu vois que tu vis une foi simple, pardon, mets-toi à genoux devant l'Éternel et demande si réellement tu es sur le chemin. Si tu ne souffres pas pour l'évangile, une souffrance personnelle, intérieure, des combats que tu as tous les jours, mets-toi à genoux, demande au Seigneur si quelque part tu n'as pas évité la souffrance. Parce que la chair est très subtile pour éviter la souffrance. Demande-toi, c'est que certainement tu as évité la souffrance quelque part. Il dit, tu vas souffrir. Ne crains pas. Tu vas souffrir, mais ne crains pas. Voici que le diable va jeter quelques... On a dit que le diable ne peut plus toucher l'église. Jésus dit que le diable va jeter quelques gens. Il parle à l'église de Smyrne. Il parle à ceux qui sont sanctifiés. Le diable va pouvoir faire des choses. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Ça peut arriver que quelques-uns, on parlait déjà de ça la dernière fois, que quelques-uns de nous devront aller en prison. Ça pourrait arriver. Amen. Afin que vous soyez éprouvés. Donc il y a un but. Ce n'est pas que quand on va aller en prison, on va, oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Oh, c'est... Non, il dit, afin que vous soyez éprouvés. Donc c'est une épreuve qui a un but. Le Seigneur permet cela parce qu'il vise quelque chose derrière. Toujours l'épreuve a un but, nous amène dans la volonté du Seigneur pour un but. C'est pourquoi quand nous traversons l'épreuve, au lieu de prier simplement pour sortir de l'épreuve, Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre ce que tu veux que je comprenne au travers de l'épreuve.
de comprendre là où tu veux m'emmener, afin que, au sortir de l'épreuve, que je sois grandi et que j'ai accumulé suffisamment de maturité spirituelle afin que cela puisse être utile à d'autres personnes que tu mettras sur mon chemin. Que cela puisse m'être utile moi-même pour la suite de ma marche. Là, l'épreuve aura eu un rôle positif dans ma vie, mais moi-même, je peux transformer une épreuve en une œuvre destructive si je la prends de la mauvaise façon. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Si l'épreuve arrive dans ma vie, le Seigneur n'est absolument pas surpris de cette épreuve. C'est moi, je peux être surpris, mais le Seigneur n'est pas surpris. Seigneur, donc, si tu es comme tu es, ce n'est même pas si tu es, comme tu es au contrôle de ma vie, je sais que cette épreuve, si la sortie ne dépend que de toi. Il le dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Avec la tentation, il donne aussi le chemin pour en sortir. Donc, il peut nous faire sortir de là très vite. Mais le plus important pour moi, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir le comportement que tu attends de moi dans cette épreuve-là. Au lieu de me mettre à murmurer, au lieu de me mettre à tourner les yeux dans tous les sens. Non. Donne-moi de ne pas promener mes regards inquiets, mais de garder les yeux sur toi. Parce que je sais que toi, tu as la capacité de me faire sortir de là à l'instant que tu veux. Mais maintenant, donne-moi d'avoir le comportement juste, le comportement spirituel dans l'épreuve, le comportement du véritable disciple dans cette épreuve-là. Là, cette prière-là va réjouir le cœur du Seigneur. Et le Seigneur va nous en délivrer pour nous permettre d'avancer. Ensuite, il dit... quelques-uns de vous seront jetés en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation, il leur précise même de 10 jours. Donc, une brève tribulation. Et maintenant, le Seigneur donne une exhortation. Il ne dit pas, ok, cette épreuve-là va s'arrêter. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Tant que ton souffle de vie ne s'est pas encore arrêté, Dieu veut que tu sois fidèle. Donc si tu deviens infidèle, même 5 minutes après ta mort, tu peux changer de direction. On voit vraiment au travers de ces versets-là que c'est la ligne d'arrivée qui compte pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on vive dans le passé. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on voit qu'on avait bien commencé. Il faut bien finir jusqu'à sur la ligne d'arrivée. Parce que c'est notre dernier état qui compte pour le Seigneur. Notre dernier état spirituel. C'est ça qui va compter pour le Seigneur. Ce n'est pas j'avais fait ceci en telle année, je marchais comme... Non, c'est là à la fin. Comment est-ce que tu... Voilà pourquoi il faut garder l'Esprit de Dieu jusqu'à la fin. Romains 8 nous parle de cela. C'est l'Esprit qui habite en nous. Est toujours là jusqu'à la fin. L'Esprit qui a ressuscité Jésus va nous ressusciter aussi. C'est ce que Romains 8, verset 9 dit. Donc, il dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort. Puisque tu auras été fidèle jusqu'à la mort, c'est comme ça qu'on peut lire la suite là. Lui dit ici, et je. Donc, en conséquence de ta fidélité jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. La couronne est la consécration finale qui vient après avoir subi la croix. Mon frère, ma soeur, si tu n'acceptes pas que ta chair passe par la croix, tu ne seras pas couronné. Ce n'est pas vrai ça. C'est un faux évangile. Si on pense qu'on peut vivre une vie chrétienne simple, light, sans souffrir dans sa chair, parce qu'on veut obéir à Jésus, on se ment à nous-mêmes. Ce n'est pas la vérité. On risque même de ne pas entendre le son de la parole. Si on est léger dans la manière dont on traite notre chair, je vous assure que la trompette va sonner. Les vrais enfants de Dieu vont partir. Et on sera surpris de là où ils vont sortir, ces enfants de Dieu. Parce qu'il y en a qui marchent véritablement selon ça, ces commandements-là. Ici, on ne parle pas d'être dans le bâtiment ou d'être dans la maison. On parle de la marche spirituelle d'un vrai chrétien. On peut être surpris de là où ils vont sortir là. Quand Jésus dit à celui qui vaincra, il ne parle pas de là où tu marches. Là où tu marches, t'aide simplement à te donner, comment dire, le bon socle, d'être dans le bon milieu, dans la volonté du Seigneur, pour recevoir au mieux et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est à ça que ça aide. Mais à la fin, c'est ça là. C'est le comportement spirituel qui compte pour le Seigneur.
C'est l'état de maturité du fruit de l'esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça que le Seigneur va juger. Comme il est parti, on le disait déjà la dernière fois, auprès du figuier, voir l'état des figues. Et quand il a vu que le figuier n'avait pas produit des figues, il a maudit ce figuier-là. Voilà comment il va maudire certains enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas produit de fruits. Et ici, l'arbre ne produit pas de fruits qu'on coupe et qu'on jette. C'est ce qu'il dit dans, je crois, c'est dans Jean 12. Qu'on le coupe et qu'on le jette au feu. Et les gens vont dire, non, attends, on va encore essayer de voir s'il va produire du fruit. On va mettre de l'engrais et tout ce qu'il faut pour voir s'il va produire du fruit. Non, si ma vie ne produit pas de fruit, si elle est stérile, si les gens ne peuvent pas bénéficier du débordement de grâce qu'il y a dans ma vie parce que le fruit de l'esprit est là, mais je suis stérile, je ne sers à rien au Seigneur. Je dois me poser des questions véritables par rapport à ça. On le dit tous les jours ici, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et dire non. Non, ma vie spirituelle, moi-même, je l'analyse, je vois qu'elle ne vaut rien pour le Seigneur. Elle ne produit rien du tout. Je suis dans une routine religieuse. De pas le temps, je prie, je dors, je dors. Non, je ne vois pas la main puissante du Seigneur agir dans ma vie. Je ne vois pas les authentiques miracles. Les gens qui passent de la mort spirituelle à la vie spirituelle au travers de mon témoignage, je n'en vois pas. Je ne vois pas cela se produire. Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ma vie ne produise pas de fruits. Ce n'est pas normal que mon témoignage ne soit pas puissant. Ce n'est pas normal que les gens ne soient pas touchés par mon changement de vie. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma vie ne déborde pas encore pour se déverser sur les autres. Seigneur, je veux que ma vie spirituelle soit débordante pour que les autres à côté de moi puissent être impactés, influencés, touchés. Mais si on n'aspire pas à ces choses-là, les meilleurs, si on aspire à avoir une vie bien religieuse, bien tranquille, et à dire amen, lui il a l'onction, l'autre a l'onction, et toi alors? C'est la même portion d'onction que Dieu a donnée à tous ses enfants, et toi alors? Dieu ne t'a pas mis dans le corps de Christ pour être un spectateur et applaudir ce que les autres font, non! Tu es un acteur à part entière. Je crois que c'est Romains 12 qui le dit, ou 1 Corinthiens 12, que tous les membres du corps de Christ, surtout les plus petits, sont utiles. Surtout les plus petits, ceux qu'on ne considère pas, ceux qu'on pense n'ont pas de don, ils sont utiles. Mais en quoi est-ce que tu es utile alors? En quoi est-ce que tu es utile pour le corps de Christ? En quoi est-ce que tu es utile pour le Seigneur? En quoi est-ce que tu es utile? Déjà, pour ta propre famille, il y a 1 Timothée qui parle de ça. Il y a 1 Timothée qui parle de ça. Ta propre famille, qu'est-ce que tu en as fait? Cela est véritablement important. Que nous puissions être sincères, non pas envers l'Église, devant Dieu. Seigneur, véritablement, je sais que tu as fait de moi une pierre vivante. Je sais que tu m'as sauvé pour un but. Mais aujourd'hui, moi-même, après analyse de ma vie spirituelle, depuis que je suis converti, depuis ces dernières années, depuis que j'ai reçu la vérité, je vois véritablement, moi-même je n'apprécie pas les fruits de ma vie spirituelle. Moi-même je ne suis pas satisfait des fruits que ma vie spirituelle produit. Dis-moi où est-ce qu'il y a le problème. Dis-moi véritablement, est-ce que c'est un manque de consécration? Est-ce que c'est que j'ai fui la croix? Je n'ai pas laissé la croix suffisamment travailler dans ma vie pour que cette vie-là, crucifiée, devienne utile aux autres? Une vie non crucifiée ne peut pas être utile aux autres. Pas du tout. Le Seigneur dit que le grain doit mourir d'abord. S'il est mort et qu'on le jette en terre, là maintenant il va produire du fruit. Mais si tu n'es pas mort, comment tu vas produire du fruit? Pas du tout. Pas du tout. Si le Seigneur n'est pas satisfait des églises, les églises que nous sommes en train de voir, Dieu dit non, il mangeait contre toi ceci. Mais à plus forte raison, nos vies spirituelles.
L'église d'Éphèse et tout ça, c'est des églises où il y avait des centaines de conversions, des miracles à n'en plus compter. Mais Jésus n'est pas satisfait. Il dit, j'ai ceci contre toi. Mais qu'est-ce qu'il va dire de nous alors? Il ne faut pas qu'on se satisfasse. Nous, mais on dit, oh bon, non, ça va, nous on est sortis des assemblées, c'est bon. On est dans l'église de maison, on attend Jésus, il reviendra, c'est l'église de maison qui vient prendre. Non, pas du tout, ici, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bâtiment. Il attend une véritable vie de résurrection. C'est ça dont il nous parle ici. Une vie qui peut impacter les autres. Une vie qui peut changer, transformer ceux qui sont avec nous, autour de nous, bien là où le Seigneur nous envoie. Et continue encore verset 11, Apocalypse 2, verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Le vainqueur ne passera pas en jugement devant le Seigneur. La seconde mort, le trône blanc, tel qu'on a vu dernièrement. L'église de Pergame, qui est une église, bon, globalement, qui... Continuons d'ailleurs, on peut lire. Le Seigneur peut toujours nous éclairer. Ensuite, il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, verset 12, voici... Celui qui a l'épée comment? Aiguë, à deux tranchants. C'est la parole qui tranche. Je sais où tu demeures, là aussi est le trône de Satan. Là où tu demeures, il parle à une église, qui est l'église de la ville de Pergame. Et il dit, là où tu demeures, demeure aussi le trône de Satan. Si on est mal repenti, si on n'est pas suffisamment... Si on n'est pas profondément repenti de notre ancienne vie et qu'on est encore ballotté et attiré par les choses de notre vie passée, Satan a une part de trône dans notre cœur. Parce qu'il va dominer justement ce qui va nous attirer. Donc il peut encore nous contrôler. Donc on, quand on parle du trône de Satan, on peut croire qu'on parle des magiciens et tout ça. Là, il parle à l'église d'Éphèse. Donc spirituellement, quand on voit les choses qui dominent notre vie, qui sont les priorités de notre vie, on peut voir Satan. N'oublions pas que 1 Jean 5, verset 19 dit que ce monde est au pouvoir de Satan. Si les priorités qu'on a dans notre cœur sont les priorités de ce monde dominé par Satan, mais alors Satan a un trône dans notre cœur. Bien que nous confessons de notre bouche que nous soyons enfants de Dieu. Tu retiens mon nom. C'est à ceux qui ont le trône de Satan. Et tu retiens mon nom. Donc on voit toujours que ce que Jésus vient faire au milieu des églises, regardons bien ce qui se passe là depuis. Il vient, il y a du bon, mais il vient séparer le compromis de ce qui est la vérité, de ce qui est totalement dans la volonté de Dieu. Il vient toujours pour jeter la lumière sur ce qui est le compromis, pour que le compromis soit écarté. Il ne dit pas reste dans le compromis, non, il dit tue le compromis pour que seule la vérité demeure. C'est ça l'église parfaite sans tache ni ride. C'est cette église là que Jésus vient prendre. Voilà pourquoi il met toujours le doigt sur les détails. Ce qu'on peut comment on peut dire une église comme Éphèse. Il dit seulement ton premier amour que tu as abandonné, j'ai ça contre toi. On peut prendre ça pour un détail. Ils font quand même l'œuvre de Dieu, ils font des miracles, ils dénoncent les fausses doctrines, et ainsi de suite. Mais Jésus met le doigt sur quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il recherche la perfection. Il recherche qu'on croisse jusqu'à la statue parfaite de Christ. C'est écrit dans Éphésiens, il a donné les hommes comme apôtres, prophètes, docteurs, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce qu'on atteigne l'unité de la foi et la perfection, la stature parfaite de Christ. Il ne va pas changer la parole entre-temps. Non, il n'est pas un homme pour mentir, mais le fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas parce qu'on est complaisant envers nous-mêmes que Jésus va abaisser le standard. Pas du tout. Du tout, du tout. Tout ce qu'il pourra faire... c'est nous accorder l'aide du Saint-Esprit pour y arriver. Mais si on ne veut pas, on n'arrivera pas et on ne sera pas des vainqueurs. Et on ne sera pas parmi ceux qui vont être enlevés, c'est tout. Ce n'est pas moins que ça. Oui, on a été sauvés à un moment, mais on a marché charnellement jusqu'à la fin. Et bien après, on a les résultats de la chair.
La Bible dit que celui qui sème la chair moissonnera de la chair quoi? La corruption. On parle aux chrétiens charnels. Il moissonnera de la chair la corruption. Quand on voit un enfant de Dieu, quelque part, on doit reconnaître en lui. Si on l'observe pendant, je ne sais pas, selon ce qu'il est en train de faire, pendant quelques heures, on doit reconnaître que ça, c'est un disciple de Jésus. Dans la manière dont il s'exprime, dans la manière dont il réfléchit, dans la manière dont il parle, il agit, dans la retenue qu'il a, et on doit discerner. Si on ne discerne pas, tu es un faux disciple. Ce n'est que ta bouche, tu as mon nom. On dit ça à Satan là, à ceux qui ont le trône de Satan. Tu as mon nom dans ta bouche, mais tes œuvres renient ma personne. Ton comportement, le fruit que tu produis, renie ma personne. Est-ce que je m'interroge sur la nature, la qualité du fruit que ma vie produit? Est-ce que je me pose cette question là? Mais si je ne me pose pas cette question, je ne suis même pas sur le chemin de vouloir plaire à Jésus. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va venir au secours de ma faiblesse si je ne reconnais pas que ce que je fais n'est pas digne d'un enfant de Dieu? N'est pas ce que Jésus attend d'un enfant de Dieu? Si je ne me pose pas cette question, Jésus ne va pas venir me poser la question. Puisqu'il m'a donné l'Esprit de Dieu pour m'amener moi-même à examiner et à me poser la question, Jésus ne va rien faire. Il nous a déjà donné l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ce qu'il a dit dans Jean 16. Il ne va pas faire plus que ça. Jésus a fait son travail de nous donner le secours du Saint-Esprit. Maintenant, c'est à nous de manifester la volonté pour que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Mais si nous n'avons pas la volonté que l'Esprit de Dieu travaille en nous, il ne fera rien. Le Seigneur ne peut changer en nous que ce que nous avons pris la décision qu'il change en nous. Il ne viendra pas nous forcer à changer les mauvaises habitudes que nous avons. Si nous les aimons, nous les chérissons dans notre cœur, il nous laissera comme ça. Jésus ne va jamais venir dire, sors, va évangéliser. Pas du tout. Si tu ne veux pas, il te laissera. Reste comme ça. À la fin, tu verras. Si tu ne veux pas tuer ta chair, si tu ne veux pas tuer ta langue, tuer ta bouche, et il te laissera comme ça. L'Esprit de Dieu va juste te témoigner que ce que là, ce que tu fais, ça là, un enfant de Dieu ne fait pas. Il te laisse. C'est tout. Après, tu choisis. Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Est-ce que ça, c'est le témoignage d'un enfant de Dieu? Est-ce que ça, ça glorifie le Seigneur? Est-ce que si Jésus me voit comme ça, il va m'applaudir? Jésus, quand il parlait de Job, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que c'est l'aspiration que j'ai dans mon cœur? Est-ce que la volonté, le plus grand désir que je chéris dans mon cœur, c'est que quand Jésus parle des habitants de la terre, qu'ils disent, ah, quelque part là-bas, il y a Hervé à Hermon, c'est mon serviteur. Est-ce que tu as vu comment il marche? Est-ce que c'est ça que je recherche? Ou bien j'ai juste envie d'une pâle vie spirituelle comme ça, qui n'a aucun sens, qui ne glorifie pas Dieu, qui ne fait aucune différence entre mon voisin qui est païen et moi? Est-ce que c'est ça qui me réjouit? Est-ce que réellement j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur? Est-ce que j'ai réalisé ce que ça signifie de devenir une véritable nouvelle créature? D'être passé de la mort à la vie, d'être recréé à nouveau. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, pas certaines choses, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Le séisme s'est produit dans sa vie et sa vie a été totalement transformée. Est-ce que je pleure au Seigneur pour dire, Seigneur, il y a des aspects de ma vie qui ne sont pas transformés. Je ne veux plus voir cela. Est-ce que c'est ça le cri de mon cœur? Ou est-ce que je me dis, ah, je suis déjà sauvé, c'est pas mal. Je lis ma Bible, de temps en temps, je loue le Seigneur. On verra bien à la fin. Mais non, je dois m'arrêter. Je dois me demander, je dois me poser des questions. Si je suis dans la foi, si je suis dans la volonté de Dieu, si je ne me pose pas cette question-là, il faut que je revienne à la case de départ. Le jour où je me suis consacré au Seigneur, qu'est-ce que j'avais dans mon cœur? Qu'est-ce que je pensais de la marche chrétienne? Qu'est-ce que j'attendais de ma vie spirituelle? Cette nouvelle vie-là, est-ce que ma vie est vraiment nouvelle déjà? Pour commencer. Est-ce que réellement, moi-même, je sens qu'elle est nouvelle par rapport à l'ancienne? Par rapport à qui j'étais avant? Par rapport à ce que j'aimais avant?
par rapport au projet que j'avais avant. Tout cela, ce sont des choses que je dois examiner au quotidien. Surtout dans cette fin des temps. Ce sont ces choses-là qui montrent que je crois que Jésus revient. Pour partir de la question qui avait été posée au début du message. Ce sont ces choses-là. C'est cette manière de vivre-là. C'est cette manière de réfléchir et de concevoir les choses qui montre que je sais, que je crois que Jésus revient bientôt. C'est ça, réellement. Sinon, je suis juste dans la théorie. Continuons dans ceux qui ont le trône de Satan. Nous sommes au verset 13, Apocalypse 2. Tu retiens mon nom, dont le nom de Jésus est dans la bouche, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort, un martyr, chez vous, là où demeure Satan, autant pour moi, verset 14. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent des occasions de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Nous pouvons être dans l'église, nous sommes charnels et nous faisons chuter ceux qui sont spirituels. Nous aurons une responsabilité devant Dieu. Déjà, un, d'être charnels nous-mêmes, et deux, d'être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont spirituels. C'est ça qu'il dit. La doctrine de Balaam, manger des viandes sacrifiées aux idoles, donc marcher hors de la volonté de Dieu. Si je suis une pierre d'achoppement pour celui qui veut suivre l'Éternel, je payerai. Je payerai pour ça devant le Seigneur. Je dois me repentir. Alors, ensuite, il dit, une occasion de chute en mangeant les viandes sacrifiées aux idoles, et en se livrant à la débauche. On parle bien de débauche ici, là, nous on peut comprendre ça spirituel. On sait bien que les gens abandonnaient la débauche sur le plan physique déjà. Alors, de même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes, la notion de domination, ainsi de suite. Alors, il dit, répands-toi donc. C'est là où on voit la bonté de l'Éternel. Là où on voit la patience de Jésus. Il avertit et il invite à la repentance. Il te dit quelle est la porte de sortie. Mais après, c'est à toi de voir maintenant. Est-ce que je vais emprunter cette voie de sortie ou est-ce que je vais m'entêter? Est-ce que je vais me repentir ou est-ce que je vais rester dans la rébellion? Jésus nous laisse libre. Toujours, 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 le Seigneur ne force jamais. Une fois qu'il a dit, il nous laisse libre. Fais ton choix. Mais il te prévient, je mets devant toi deux portes, celle de la vie et celle de la mort. Je te conseille, mais je ne t'oblige pas, je ne te force pas à choisir celle de la vie. Tu fais ton choix et derrière, tu assumes les conséquences du choix que tu as posé. C'est comme ça. Ensuite, maintenant, il dit, répands-toi, verset 16, sinon, il prévient, si tu ne te répands pas, il te dit la conséquence. Du fait de ne pas repentir, je viendrai à toi et je les combats. Il parle des gens qui sont dans l'église. Hein? On a dit écrit à l'église de Pergame. Donc il parle à des gens qui sont dans l'église, qui sont reconnus même comme être l'église. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les appelle l'église. Et il dit, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Il combat des gens qui sont dans l'église. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Avec quoi? La parole de Dieu pour rappeler, voici la vérité que vous avez rejetée. Vous avez laissé cette vérité-là de côté pour vous attacher à autre chose qui n'est pas la vérité. Je viens pour vous rappeler la vérité et cette vérité-là vous témoigne que vous êtes dans le péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Il continue toujours en disant que celui qui a des oreilles entend. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, une fois que je vous ai averti, je ne vous force pas. Je vous laisse maintenant analyser. Je vous laisse vous examiner. Je vous laisse maintenant voir si vous êtes sur le bon chemin. Après, fais ton choix. Et ensuite, tu assumeras parce qu'à chaque fois, il y a les conséquences. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. Que celui qui a des oreilles entende. Je viendrai et je combattrai celui qui ne prendra pas la bonne décision.
C'est ce qu'il est en train de nous dire. À chaque fois, il dit toujours la conséquence du choix que l'un et l'autre fera. Si tu te repens, tu changes, tu vas continuer la marche. Et si tu es vainqueur, à la fin, je te donnerai la couronne de justice. Mais si par contre tu te rebelles, je viendrai, je te combattrai, comme il est en train de dire avec l'épée aiguë de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, toujours aux églises. Au vainqueur, il a d'abord dit là-bas à celui qui est rebelle, je combattrai. Le rebelle, c'est celui qui ne veut pas se repentir. C'est celui qui ne veut pas changer de voie, changer de vie. Il dit, répands-toi sinon, je combattrai. Ça, c'était le verset 16. Et à la suite du verset 17 maintenant, il dit, au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Et le caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. La récompense. Toujours. Verset 18 maintenant. On va finir toutes les lettres là. Soyez patients, soyons patients. Écris à l'ange, parce qu'il y a beaucoup de messages ici là qui nous sont adressés à nous personnellement. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, dont Jésus scanne notre vie. Il analyse nos voies, il analyse nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos gestes, nos paroles. Tout ça, c'est dans le scanner du Seigneur. Et il dit qu'il connaît ces œuvres-là. Ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Quelqu'un qui aligne des qualités comme ça, est-ce qu'on peut dire que Dieu lui reproche quelque chose? Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, on peut se satisfaire de ça et dire, moi je suis parfait. Si Jésus revient aujourd'hui, je parle. Mais j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduit mes serviteurs. Quand on lutte pour dire ici là que la femme ne doit pas commenter la parole de Dieu, ne doit pas, non vous êtes si vous êtes, je continuerai jusqu'à ce que Jésus revienne parce qu'il dit garde ferme cette parole. Voilà sur ces choses-là. Nous prenons ça comme des détails, mais Jésus met ça à la fin de la parole de Dieu pour dire, fais attention avec ça. Ne joue pas, ce n'est pas un détail. Pour Jésus, ce n'est pas un détail. On a déjà expliqué ça dans tous les sens. Pour dire que c'est un combat spirituel entre le diable et Jésus pour renverser l'ordre du gouvernement de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est aussi sévère avec ces choses-là. Au point où il dit carrément à une église, fais attention à cela. Continuons. Après avoir cité toutes les bonnes, est-ce que si vraiment c'est un détail l'enseignement de la femme, est-ce que au milieu toutes les bonnes œuvres ci, tous les bons compliments là, sont largement pour nous qui ne sommes pas rigoureux envers la parole de Dieu, c'est largement suffisant pour dire que ah, l'enseignement de la femme c'est un détail, Jésus va passer dessus, il ne va pas faire attention. Il dit, j'ai contre toi que tu laisses. C'est-à-dire que tu n'as pas prévenu la femme Jézabel. Tu n'as pas prévenu Jézabel, c'est juste un exemple de femme qui prend pour parler de façon générale. Tu as laissé faire ces choses-là. Donc tu es coupable. Je voyais encore dernièrement, quand j'étais au Cameroun dans Genèse, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Quand Jésus vient dans Genèse 3, regardons un peu Genèse 3. Quand Dieu vient là, il va parler d'une certaine manière à Adam. Genèse 3. Non, c'est, oui, Genèse chapitre 3, verset 10. Quand l'Éternel vient dans le jardin d'Éden, après que le péché a été commis. Verset 9 déjà. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il a appelé qui? Ils sont deux. Mais il appelle l'homme.
il appelle le responsable de sa parole. C'est lui qui doit rendre des comptes devant Dieu. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. Verset 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je... Vous avez vu ce qui est écrit? Je t'avais défendu. Il dit, je t'avais défendu parce que c'est à Adam qu'il a donné la parole. Il n'a pas dit, je vous avais défendu. Il dit, je t'avais parce que c'est Adam qui a entendu cette parole-là de la bouche de Dieu. C'est lui qui était garant de transmettre cette parole et de veiller à ce que cette parole-là soit respectée. Il dit, je t'avais. Il ne dit pas, je vous avais. Alors que vous voyez ici, là, Genèse 3, verset 1 et suivant, la femme parle de cette parole-là, mais elle ne l'a jamais reçue de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus dit, il ne dit pas, je vous avais dit. Il dit, je t'avais à toi, Adam. C'est à toi que j'avais donné cette parole. C'est Satan qui essaye de toujours vouloir retourner le cœur des sœurs pour discuter la parole de Dieu. À la fin, vous savez ce qui va arriver? Il sera tiré. Parce que cette parole-là, il la connaît. Quand vous allez tomber à la fin, il va se frotter les mains, il sera content. Parce qu'il vous aura entraîné dans le chemin qui n'est pas celui de Dieu. Dieu dit, je t'avais dit, toi, c'est toi qui étais garant de cette parole-là. Et tu ne l'as pas respecté. Continue à désobéir. La trompette va venir remettre tout le monde à l'ordre. Les vierges folles et les vierges sages. Discutons la parole de Dieu, à la fin nous verrons. Continuons. Celui qui aura connu la volonté de Dieu, Luc 12, verset 47, et qui ne l'aura pas mise en application sera battu d'un grand nombre de coups. Celui qui ne l'aura pas connu et n'aura pas mise en application sera battu de moins de coups. Mais il sera battu quand même. Même ceux qui l'ignorent seront punis. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le retenons bien. Luc 12, verset 45. C'est ce que l'Éternel dit. Genèse, il continue. Genèse 3, il dit, je t'avais. Alors, je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, c'est le verset 12, qui m'a donné de l'arbre. Et il se décharge sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'un alibi compte devant le Seigneur? Pas du tout. Du tout, du tout. Il ne dit pas, ah, c'est elle, hein? Bon, ok. Non. Lui-même, il a porté la conséquence. Il n'y a pas d'alibi qui tienne. Si je ne crucifie pas ma chair, il n'y a pas d'alibi. Ah, c'était à cause de... Non, zéro, ça ne marche pas, les alibis devant le Seigneur. Si je n'ai pas marché comme Dieu veut, point, je suis coupable et puis je paye la conséquence de ma désobéissance. Il n'y a pas que c'était la femme qui avait fait ceci. Alors, nous continuons maintenant. L'homme répondit, verset 12, Genèse 3, 12, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné l'arbre, j'en ai mangé. Ensuite, l'Éternel dit à la femme, ainsi de suite. Si nous venons maintenant au verset 17, Genèse 3, verset 17, quand il va donner la sentence à l'homme, il va dire, il a dit à l'homme, parce que tu as écouté, on avait déjà fait attention par rapport à ça, il commence d'abord, c'est le fait d'avoir écouté. Avoir écouté sa femme, l'enseignement, on parle bien de l'enseignement, bien sûr qu'on peut se donner les conseils dans la vie pratique, il parle de l'enseignement. Parce que tu as écouté ta femme, premier reproche que le Seigneur lui fait à cause de cela, et que tu as mangé l'arbre dont, il ne dit pas je vous avais défendu, il dit je t'avais défendu. Il faut bien garder le je t'avais là. Ça là, ça c'est une clé très importante. Je t'avais défendu. Dieu lui avait donné personnellement cette parole là. Il n'avait pas donné cette parole là à Ève. Il lui avait donné ça et donc il portait toute la responsabilité de transmettre la parole et de veiller à ce qu'elle soit appliquée. Ce ne sont pas des détails. Voilà pourquoi il revient dans le livre de l'Apocalypse, à la fin de la fin. Il revient encore pour dire quelque chose comme ça. Négligeons toujours, prenons ça pour des détails, discutons, des discussions de mots, ainsi de suite. Ah, vous pensez, on n'a pas l'esprit, tout ça. Laissons, attendons la fin, on va voir.
Jean 12 dit, c'est cette parole-là qui nous jugera le dernier jour. Continuons à discuter de moi. En tout cas, pour ma part, je veux marcher dans la volonté de Dieu jusqu'à la fin et être sans tâche ni rien. Continuons maintenant. Ensuite, il dit ici, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, déjà vers le verset 20 par là, 19-20. Je connais tes œuvres, on a balayé déjà, mais j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel qui se dit, elle se dit, Dieu ne l'a pas reconnue comme prophétesse, enseigner et donc séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On a déjà compris que ça, c'est aller dans les fausses doctrines et hors de la volonté du Seigneur. Porte ouverte à la séduction. Ève, dans Genèse 3, on a vu verset 6, est partie discuter avec le diable et puis ça a ouvert la porte à la séduction. On ne va pas revenir là-dessus. Alors, il dit, je lui ai donné un temps pour se repentir. Donc, si on s'est trompé sur cette chose-là, Dieu nous donne un temps pour nous arrêter et dit, halte, Seigneur, une bonne fois pour toutes, je vais accepter ta parole. Je vais recevoir ta parole dans mon cœur. Je lisais encore, c'était dans l'autre version là, Osterval, où dans Timothée, il dit, 1 Timothée 2, il dit que la femme ne prenne aucune autorité sur son mari. Aucune. Il ne dit pas une certaine. Il dit aucune autorité. Je peux vous lire ce verset. Allons-y. 1 Timothée chapitre 1, verset 2. Moi, je veux être pur du sang de quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas enlevé, il ne dira pas que celui à qui le Seigneur avait donné la responsabilité, il a été négligé. Je vais donner la parole de Dieu telle qu'elle est, après que chacun en fasse ce qu'il veut. S'il n'entend pas le son de la trompette, ça sera sa responsabilité pendant la grande tribulation. Il ne dira pas qu'on ne lui a pas dit. S'il veut être léger, qu'il soit léger. S'il veut prendre à la rigolade les paroles du Seigneur, qu'il prenne à la rigolade, c'est son problème. Mais il emportera toute la responsabilité. Et le fait que Dieu m'accorde le minimum de privilèges pour ouvrir ma bouche, pour parler, je dis exactement ce qui est écrit dans la parole et je ne discute pas là-dessus. Si quelqu'un veut discuter, tant mieux pour lui. Ah, c'est aussi écrit que prophétesse telle... discutons toujours, à la fin, nous porterons les conséquences de nos discussions. Alors, c'est dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. Il dit, c'est dans la version Osterval. Il dit, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence et une entière soumission. Car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre, c'est écrit, aucune autorité sur son mari. Aucune. Dans toutes les choses de la vie, aucune autorité. Tu prends une quelconque autorité sur ton mari, tu es coupable devant Dieu. Tu peux rater l'enlèvement à cause de ça. Tu vis dans la désobéissance. C'est dit par la parole de Dieu. Discutons. La trompette sonnera. On fera la scission entre les vierges sages et les vierges folles. Si la parole de Dieu a dit A, tu as fait B, tu ne pars pas. C'est la vérité implacable de la parole de Dieu. Discutons si on veut. Moi, je ne veux plus discuter de ces choses-là. Je dis la parole telle qu'elle est. Que chacun fasse ce qu'il veut. Discutons si on veut. Alors, donc ensuite, il y a un verset qui est parallèle à celui-là. Je vais le lire aussi. C'est Éphésiens 5, verset 24. Plus on va avancer dans la fin des temps, plus le malin va bien travailler dans ces domaines-là pour éliminer le maximum de candidats vainqueurs qui auraient pu être. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Il dit, comme l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en quoi? Tu as quoi dans ta version là, Georges? En toute chose. Bon. Que chacun fasse comme il veut.
je continue dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre, nous sommes toujours au chapitre 2. Je continue au verset 22. Voici, il a dit d'abord, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. On le dit, on le rappelle, on montre les versets, on les lit, mais il n'y a pas la décision de changer. Elle ne veut pas se repentir. Parce que ce que le Seigneur lui fait, son action, c'est de dire, c'est de convaincre de péché par la parole et par son esprit. Parce que l'esprit de Dieu est l'épée. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit, autant pour moi. Le Saint-Esprit rappelle la parole et dit, voici ce que le Seigneur dit. Après maintenant, la suite, c'est que nous devons nous repentir. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce qu'il nous exhorte à faire. Mais après, il nous laisse libres, comme on a dit déjà. Ensuite, maintenant, il dit, voici que je la fais comment? Je la laisse tranquille. Je lui dis, tu as bien fait d'enseigner la parole et de séduire mes serviteurs. Il dit, je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation. C'est une femme qui est dans l'église. N'oublions pas, ça s'adresse à l'église de Thyatire. Jésus parle à son église comme ça. Hein? C'est pas à des païens qu'il est en train de parler ici. C'est pas à des gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Il parle à son église. Il dit, je la jette. C'est une femme qui est convertie à Jésus. L'image de cette Jézabel. Il dit, je la jette. L'église qui n'est pas dans la volonté de Dieu aura un châtiment. C'est vrai qu'on nous a dit, effectivement, que celui qui est en Christ est passé de la mort à la vie, il n'y a plus de jugement pour lui. C'est celui qui est dans la volonté de Dieu. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es coupable de jugement. C'est celui qui est dans la volonté de Dieu qui ne passe pas en jugement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, et on voit des sentences que précises que Dieu donne à son église qui est dans la désobéissance. Donc il faudrait que nous fassions attention à ces choses-là. Que nous ne nous mentions pas. Que nous obéissons à la parole de Dieu telle que c'est écrit là. Que nous ne cherchions pas des échappatoires, des alibis. Non, il n'y a pas d'échappatoire. Ici, au milieu de nous, on peut trouver des alibis. Mais devant le Seigneur, nous sommes comme des livres ouverts. Il n'y aura pas d'alibi. Quand tu priais tout à l'heure, tu l'as dit, nous sommes comme des livres ouverts. Il n'y aura pas d'alibi devant le Seigneur. La parole de Dieu a dit, ah, tu as fait autre chose. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La transgression de la parole de Dieu s'appelle le péché. Il n'y a pas de péché qui sont moindres que le péché, c'est le péché. C'est la transgression de la volonté de Dieu. C'est tout. Continuons. Ensuite, il dit, je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation. Et ceux qui commettent adultère avec elle. C'est-à-dire ceux qui ont été légers, qui ont toléré et encouragé ces choses-là. Eux aussi en subiront les conséquences. Voilà pourquoi moi je ne joue pas avec ça. Dites que je suis macho, je suis n'importe quoi. Devant Jésus, je n'ai même plus. Parce que j'ai dit ce qui est écrit. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Je ne me pose pas de questions sur la volonté de Dieu. Je dis ce qu'il a dit, point à la ligne. Si quelqu'un dit que ce n'est pas comme ça, c'est plus ça qu'il aille discuter avec celui qui a écrit la parole. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette parole-là. Je dis simplement ce qui est écrit. Bon, qu'une femme se soumette à moi, moi c'est faire la volonté de Dieu. Que personne, même un enfant ne se soumette pas à moi, je m'en fous éperdument. Ça m'importe très peu. Moi je dis simplement ce que Dieu a dit. D'ailleurs, si une femme se soumet à moi, ça va même me gêner. Pour vous dire mes sentiments personnels, ça va me gêner énormément. Parce que je n'aime pas avoir le dessus sur quelqu'un. Je préfère laisser que les gens soient libres, qu'ils prennent leurs propres décisions et qu'ils en assument les conséquences. Que chacun porte ça. Donc, je n'ai aucun état d'âme par rapport à ça.
Je vous dis simplement ce qui est écrit. Afin qu'à la fin, que quelqu'un ne dise pas non, on avait négligé ça, on n'avait pas dit tel que c'était. Je le dis tel que c'est. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Et on peut même être d'accord parce qu'on lit ça dans la pratique, dans la parole de Dieu. Mais après, nos œuvres renient ça. On l'a lu au début, titre 1, verset 16. Profession, mais les œuvres renient ce que la bouche professe. Continuons. Je frapperai de mort, verset 23, ses enfants. Parce qu'il y a des gens qui auront suivi, qui auront encouragé, qui auront marché là-dedans. Il dit, je frapperai de mort, c'est l'église. Jésus frappe de mort l'église. Pourquoi? Parce qu'on a laissé une femme enseigner. Mais ça, c'est quoi ça? C'est trop bas. Non, le sacrifice de Jésus est plus grand. Il dit, je frapperai de mort. Et nous, on joue avec. On dit non, oh non, c'est pas important. C'est, on peut continuer en discutant. Il dit, je frapperai de mort ses enfants. Et il le fait pourquoi? Il ne dit pas tous les païens connaîtront que il ne dit pas tous les païens connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins des cœurs. Non, il dit toutes les églises. Toutes les églises. Il le fait pour parler à l'église, pas aux païens. Il dit toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Toutes les églises. Ça s'adresse à l'église. Ça ne s'adresse pas aux païens. Les païens ne suivent pas la volonté de Dieu et ils le savent. Mais ça parle à l'église. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon quoi? Ses œuvres. Donc en fonction, je professe une chose, c'est très bien. Mais si mes œuvres disent autre chose, il ne dit pas je jugerai chacun selon la profession de foi qu'il a dans sa bouche. Non, il dit je jugerai chacun selon ses œuvres. Parce que ce sont ses œuvres qui révèlent la foi qui est réellement en lui. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure, est-ce que vous croyez que Jésus vient? Oui, oui, la parole de Dieu le dit, d'accord, ok. Mais après, quelles sont les œuvres maintenant que cela déclenche dans ta vie? Ça, c'est autre chose. Ce sont ces œuvres-là qui vont dire si réellement tu crois que Jésus vient. C'est pourquoi il dit, je jugerai non pas selon les paroles qui sortent de la bouche, mais je jugerai selon les œuvres, selon ce que tu pratiques. C'est là que le Seigneur va voir. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Jésus vient voir l'état de maturité du fruit que notre vie produit. Et ce fruit-là est produit par les œuvres que nous produisons. Œuvres en termes d'action, en termes de parole, en termes de pensée, en termes de tout cela. Les œuvres. Continuons maintenant. Je jugerai chacun selon ses œuvres. Verset 24. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, dont dans la même église, il y en a qui n'ont pas cette doctrine. Donc ce n'est pas aujourd'hui que l'église est partagée. Et il y en a qui disent, moi je crois que c'est comme ça. D'autres disent, moi je ne crois pas. Ça existe depuis le début. Et Jésus vient pour jeter la lumière, pour séparer ceux qui sont dans l'erreur de ceux qui sont dans la vérité. Donc, il parle à ceux qui sont dans l'erreur. Il ne dit pas que toute l'église est comme ça. Parce qu'ils sont de les reins et les cœurs. Il sait celui qui est d'accord avec ça et celui qui ne l'est pas. Donc, il vient, il a parlé d'abord à ceux qui sont dans l'erreur. Et maintenant, il parle à ceux qui ont gardé la vérité. Il dit à tous ceux à tous les autres qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Laissez la femme enseigner, il appelle ça les profondeurs de Satan. Jouons avec. La Bible appelle ça les profondeurs de Satan. Je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux seulement. Regardons le conseil de Jésus, pas des hommes. Pas de la sagesse humaine, pas de la philosophie des hommes, pas de ce que les hommes veulent faire croire. Il dit, ce que vous avez
tenez ferme. Vous qui n'êtes pas dans cette doctrine-là, restez comme ça. C'est Jésus qui dit. Mais Satan dit, vous êtes trop dur. Ce que vous dites, ce n'est pas la vérité. Ce que vous dites, vous êtes macho, vous êtes ainsi de suite. Si Dieu dit que je suis macho, je vais me repentir. S'il dit que ce que je viens de dire là n'est pas sa parole, je me repentirai. Mais pour l'instant, je sais que ce que j'ai lu là, je n'ai fait que lire la parole. Je ne l'ai pas interprété. J'ai dit tel que c'est écrit là. Je ne peux pas dire autre chose que ce qui est écrit. Il dit, tenez ferme. Parce qu'on va essayer de nous arracher cette parole là. Le diable va essayer de nous prendre ou par les sentiments, ou par telle situation, ou par telle autre, pour qu'on dise autre chose. Moi, je ne dirai jamais autre chose. Même si le ciel tombe, je ne dirai pas mal. Je dirai toujours ce qui est écrit. Parce que le Seigneur a dit que celui qui enseigne sa parole sera jugé plus sévèrement. Et l'église ne sera pas là pour prendre le parti de Georges ou bien de moi ou bien de quelqu'un qui enseigne. Nous allons répondre nous-mêmes de ce que nous avons enseigné. On n'enseigne pas pour faire plaisir aux gens. On n'enseigne pas pour que les gens soient contents de ce qu'on dit. On dit la parole de Dieu. Si les cœurs sont touchés, les cœurs, l'esprit à l'intérieur des personnes disent Amen parce que c'est la parole de Dieu. Si maintenant les gens ne sont pas satisfaits, ça c'est à celui qui a écrit cette parole-là. C'est à lui qu'ils doivent aller s'en prendre. Qu'ils ne s'en prennent pas à celui qui est juste en train de lire la parole. C'est ça. Si on n'est pas d'accord avec ça, Seigneur, on peut faire, on est libre, hein? Le Seigneur est ouvert. Seigneur, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est plus de notre siècle. Ne venez pas dire ça à moi. Allez dire ça dans la prière. Pourquoi on a peur du Seigneur, mais c'est aux hommes qui disent sa parole qu'on vient. Non, allez dire au Seigneur, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi les femmes mettent même le foulard avant de prier? Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi tu dis que l'homme est le chef de la femme? Allez lui dire à lui dans la prière, Seigneur, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut avoir le courage d'aller affronter celui qui a dit cette parole-là. Comme ça, vous allez contester avec lui. Il va dire à Jean, où étais-tu, toi qui contestes avec ma parole? Où étais-tu quand je créais le monde? Ah. Allons affronter le Seigneur lui-même. Alors, continuons maintenant. Alors, il va dire maintenant à la fin, je et retenez ferme jusqu'à ce que je vienne. Ensuite, il dit au vainqueur, à celui qui fait comment? Qui garde mes œuvres. Donc, il ne faut pas seulement commencer avec les œuvres de l'Éternel, il faut les garder jusqu'à la fin. Les garder jusqu'à la fin. C'est ça qui va être le plus difficile, de garder les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Parce que Satan va venir avec toute forme de séduction, avec toute forme de piège. Et si on manque de discernement, on va sortir de la volonté de Dieu. C'est pour ça que dans la fin des temps, nous devons beaucoup prier pour toujours demander au Seigneur le discernement dans tout ce qui se passe autour de nous. Parce que si on manque de discernement, on va sortir de la volonté de Dieu. Et c'est ça le but de Satan. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il adapte sa stratégie en fonction de ton degré de discernement et de maturité. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui est debout veille à ne pas tomber. Parce que si tu ne veilles pas, Satan va te faire tomber. On a lu plusieurs passage là dans le livre d'Apocalypse où il disait Satan va faire ceci, Satan va jeter certains d'entre vous en prison, Satan a fait ceci ainsi de suite, parce qu'il travaille au milieu de l'église et il travaille sans se fatiguer. C'est ça, nous on a du mal à persévérer jusqu'à la fin, mais Satan lui fera du mal jusqu'à la fin. Lui ne va pas se fatiguer. Satan n'a même pas besoin d'exhortation pour persévérer. Lui, il persévère. Il a compris ça depuis qu'il était encore l'archange là dans le ciel. Il a retenu cette exhortation-là et même étant devenu Lucifer, il est parti avec ça. Et il continue à obéir. Je crois d'ailleurs que c'est le seul commandement auquel Satan obéit, c'est la persévérance. Mais nous avons du mal à obéir à un commandement auquel Satan obéit. Sauf qu'il persévère dans les mauvaises choses. Malheureusement, c'est ça. Il persévère dans les mauvaises choses. Ensuite, il dit, il vient donner dans la récompense, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il
les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles, fait comment? Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À chaque fois, il dit toujours la même chose. C'est-à-dire que, après avoir étalé l'état de l'église, il dit que chacun analyse maintenant. Il y a deux voies de... Ça, c'est vraiment pour résumer ce que le Seigneur dit. Il montre ce qui est bon. Il montre ce qui est mauvais. Il ne dit pas qu'à la fin, on fera la balance. On verra s'il y a plus de bon que de mauvais. Et celui qui a plus de bon, il passe. Non. Ça, ce sont les musulmans qui disent ça. On va peser tes péchés. S'il y a plus de bon, tu vas pas. Non, ça, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur veut la perfection. Il veut que tout ce qui est mauvais là, que ça soit changé et qu'il n'y ait que la balance du bon qui pèse et qu'il n'y ait rien dans le mauvais. Voilà pourquoi tu dois te repentir. Le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 25 qu'il pardonne les péchés et il les efface. Donc si tu te repens, tout ce qui était mauvais, en fait on enlève ça de la balance et il ne reste plus que le bon. C'est ça. Et maintenant tu dois continuer à marcher dans le bon. C'est ça que l'Éternel attend. Finissons maintenant. L'église de Sardes, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. N'oublions pas le contexte de ces passages-ci. Jésus est déjà dans le ciel et il voit l'état de l'église depuis qu'il est dans le ciel. Donc ça nous montre effectivement la manière dont Jésus aujourd'hui voit encore l'église. Parce que ça, c'est une prophétie sur la suite des temps, sur la manière dont l'église va marcher dans la suite des temps. Donc cela concerne la vision que Jésus a aujourd'hui de son église sur la terre. Donc nous pouvons nous mirer au travers justement de ce miroir-là de l'église que Jésus donne une fois dans le ciel. Et là où la bonté de l'Éternel se manifeste encore, c'est qu'il n'est pas resté avec cette appréciation-là dans le ciel. Il est venu révéler à quelqu'un qui est encore sur la terre, son serviteur Jean, afin qu'il le dise à l'église. Et que l'Église prenne les bonnes décisions. Voilà pourquoi il dit à celui qui a des oreilles. Celui qui a des oreilles. Donc celui qui a compris qu'il se repente et qu'il change. Mais celui qui ne veut pas se repentir, je combattrai, je ferai ceci, je frapperai de mort, ainsi de suite. Ensuite, maintenant, à la suite du verset 3, il dit, je connais à l'Église de Sardes, je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant. Mais tu es mort. On peut croire qu'on est vivant spirituellement, mais Dieu dit que nous sommes morts. Pourquoi? Parce que les œuvres qu'on produit ne sont pas des œuvres dignes du Seigneur. Il dit que nous sommes morts. Demandons au Seigneur d'attester ou d'infirmer les œuvres que nous produisons et nous allons voir. Le Seigneur va nous montrer pratiquement si les œuvres que nous produisons sont des œuvres de vie ou des œuvres de mort. Ensuite, il dit, mais tu es mort. Sois vigilant. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. C'est pourquoi on donne des messages de réveil maintenant. Parce que ce n'est plus le temps de dire, ah, vous êtes beau, vous êtes... Non! C'est le temps d'être prêt maintenant. C'est pour... Il ne faut plus jouer sur ce qu'on prêche. Il faut dire les mais tel que c'est. Pour que chacun sache s'il est une vierge sage ou folle. S'il est folle, une vierge folle, il est temps de redevenir sage. C'est pas quand la trompette va sonner que comme les folles, on va chercher à devenir sage à ce moment. Non, c'est maintenant qu'il faut être sage. C'est maintenant qu'il faut faire ce que le Seigneur demande pour revenir dans la sagesse de Dieu. Repends-toi pour revenir à l'état de vierge sage. Affermis le reste qui allait mourir.
on peut être en train sur le chemin de la mort. Mais en écoutant un tel message, la tête est un peu déformée, l'œil un peu, ça ne va pas ainsi de suite. On dit bon, non, il faut que l'image de Christ soit nette en moi. Quand je regarde le miroir de la parole là, il y a ça ne va pas. Seigneur, je me repens de ça. Aide-moi à corriger, à rectifier le tir, à prendre une nouvelle trajectoire avec toi. Et je n'attends pas le prochain message qui sera de la même nature pour dire « Ah tiens, c'est vrai qu'on avait dit ça la dernière fois, où est-ce que j'en suis ?» Non, on doit le comprendre une bonne fois. On ne sait pas si c'est la dernière fois qu'on entend un message qui nous réveille comme ça. Souvent, le Seigneur parle après ce thème, il ne dit plus rien, il nous laisse avancer comme ça. Alors, donc, ensuite, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. » Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, pas devant les hommes, devant mon Dieu. Ça veut dire que Jésus cherche des œuvres parfaites, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas des à peu près. Il parle à une église, l'église de Sardes. Donc ne nous passons pas la pommade comme je ne fais que le dire depuis là, en disant, oh, bon, ben, je fais déjà ça, je regarde autour de moi, les autres ne font pas, ah ben c'est bon. Ça me... Non, je dois me comparer à Jésus. Pas à l'église qui est à côté de moi. Quand je regarde le standard de Jésus, je vois ce qui me manque encore pour atteindre la perfection et je comprends que je dois continuer à travailler pour monter. Mais si je regarde les autres autour de moi, je vais dire, tant qu'à faire. Attends, déjà, si quelqu'un fait déjà comme moi, c'est déjà beaucoup. Moi, j'en fais plus que les autres. Non. Je regarde qu'est-ce que Jésus attend de moi. Ah, il y a encore du travail. Je continue à avancer. Je ne regarde. Au besoin, je tends la main pour tirer les autres, pour avancer avec moi. C'est ça que je dois faire. Et non dire, oh, vous êtes des petits chrétiens, vous êtes des chrétiens arabes, au rabais. Moi, je suis au-dessus de vous. Pas du tout. Quand tu regardes Jésus, tu comprends que toi, tu es en bas. Et il faut monter encore. Donc, continuons maintenant. Il dit, tes œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu, devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Comment tu as reçu et entendu la parole. Donc, en fait, il revient toujours à la parole de Dieu telle qu'elle est donnée. Parce que l'état, la disposition du cœur dans laquelle on reçoit la parole de Dieu peut produire en nous, si le cœur est bien disposé, on prend les bonnes décisions, ça produit la délivrance. Qui va commencer par la repentance et nous amener sur le chemin positif. Mais si la disposition de notre cœur est mauvaise, on va écouter la parole de Dieu. Ça sera comme si on regarde les informations à la télé et après on passe à autre chose. On va rester dans cet état. On va persévérer dans cet état. On va s'endormir dans cet état-là. Et après, on sera surpris par la suite. Il dit donc, souviens-toi comment tu as reçu cette parole-là. Garde-la. Dans l'état où tu l'avais reçue. Pourquoi? Parce qu'elle était pure. Elle était donnée par les apôtres et par Jésus. Cette parole-là était pure et n'avait pas été frelatée, n'avait pas été changée, n'avait pas été contrefaite. C'est cette parole de vérité que tu dois garder, pas une autre. Ensuite, maintenant, il dit, si tu ne veilles pas. Regardons ce qu'il dit. Si tu ne veilles pas, il parle à l'église. Si tu ne veilles pas, c'est-à-dire examiner. Fais attention. C'est pourquoi on parle de veiller et prier. Pour avoir le discernement. Pour être connecté à Dieu. Pour savoir la volonté de Dieu pour moi là dans ce moment. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. À l'église, il dit ça. Je viendrai comme un voleur. C'est-à-dire que je vais venir te surprendre. Je vais venir au moment où tu ne t'entendras pas. Tu seras là dans le sommeil. Oh, tout va bien, gloire à Dieu, ainsi de suite. C'est là que je vais venir. Et je vais te surprendre. Pourquoi? Parce que ton état que tu n'as pas examiné devant moi sera révélé. Et là, tu seras surpris de ton état. Parce que tu n'avais pas fait ton propre bilan avant que je ne vienne te révéler ton état. La parole de Dieu nous révèle déjà dans quel état nous sommes. La parole de Dieu telle qu'on l'a lue a déjà dressé à la fin de cette prédication. Chacun a comment on dit en médecine, le bilan général, son état de santé spirituelle est dressé avec ce message. Chacun sait quel est son bilan général d'état de santé.
il doit reprendre maintenant à tel niveau, il faut tel médicament, ainsi de suite. Et ce qui est bien, c'est que Jésus diagnostique les maladies et il donne le traitement qui correspond. C'est à nous maintenant d'aller à la pharmacie spirituelle pour prendre ces médicaments-là et commencer à les consommer dès qu'on va sortir d'ici. Mais si on veut continuer à manifester les symptômes de la maladie, il n'appartient qu'à nous. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui a des oreilles. Quand tu sors de chez le médecin et du laboratoire avec ton bilan de santé, tu es libre. Tu es libre de dire, laissez-moi, je rentre chez moi et je continue à vivre, advienne que pourra. Ou bien, tu vas prendre le traitement qu'on t'a prescrit. Quand tu vas rester chez toi, tu sais sur quoi tu t'attends. Bon, si tu es quelqu'un qui prie, ok, bon, tu as une autre solution. Mais là, je parle d'un païen qui ne compte que sur la médecine. S'il sort de l'hôpital avec son bilan, il voit l'état de santé dans lequel il est, il dit, ah, je vais aller rester à la maison, et puis on verra bien. C'est quoi? Un suicidaire. C'est un suicidaire. Et parmi nous, au milieu de l'église, il y a des suicidaires spirituels. Parce qu'ils entendent la vérité, ils voient ce qui est écrit, ils disent, ah bah, pas grave, je suis sauvé. Ils laissent comme ça. Ça, c'est le suicide spirituel. Si on ne prend pas des décisions, quand on entend la parole de Dieu, on est en train de se suicider. Parce qu'on se ment à soi-même. On voit la vérité, mais on continue à croire que ça va bien. Non, ça ne va pas bien. Quand on lit les standards du Seigneur, on sait que ça ne va pas bien. Si Paul dit, je fais attention, à plus forte raison, nous, personne ne peut dire, oh, moi je suis au-dessus de Paul, c'est bon. Non, nous devons faire attention. Il dit, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai, faire comment? Te surprendre, toi l'église. La trompette peut surprendre l'église. Le Seigneur peut venir te faire mourir prématurément. Tu disais, oh, je suis encore jeune, j'ai le temps. J'ai le temps, je vais corriger ça plus tard. Boum! Une maladie que tu n'avais pas attendu, un accident de circulation, pas tu es rentré dans l'éternité. Tu vas faire comment? Si tu n'avais pas réglé tes affaires, comment tu vas faire? Rien ne te garantit que tu arriveras à 90 ans, rien du tout. Si jamais tu n'as pas peur du retour de Jésus, la mort peut te surprendre. Ce n'est pas exclu. Voilà pourquoi le chrétien doit être prêt tout le temps à rencontrer le Seigneur, pour ne pas être surpris. Que la trompette sonne, que Jésus l'appelle maintenant, que n'importe quoi arrive, il doit être prêt. Il doit avoir réglé. C'est pour ça qu'on ne doit pas attendre un mois, deux mois pour commencer à regarder ces choses-là. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que vraiment je fais ce que Dieu attend de moi? Ensuite, il dit, cependant, tu as à ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On voit, vous avez vu tout à l'heure, avec l'église de Thyatire, maintenant il le fait de même avec ça. Le Seigneur vient, il sonde les reins, il sonde les cœurs, il ne met pas toute l'église dans le même panier. Il y en a qui ne font pas ça. Donc le Seigneur vient, il fait la scission, il dit, voici ma volonté. Certains ne la font pas, d'autres la font. Ceux qui la font, tenez ferme. Ceux qui ne la font pas, repentez-vous pour rejoindre les autres et ensemble tenez ferme. Il sépare toujours. Tout le monde n'est pas dans le même panier. Donc c'est à chacun maintenant de s'analyser pour savoir dans quel panier il est. Dans quel groupe il est. Alors, donc, verset 4 maintenant. Cependant, tu as à ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont, comment, dignes. Parce que leurs œuvres sont les œuvres du Seigneur. Parce que leurs aspirations et leurs motivations sont les motivations du Seigneur. Et Dieu vient au milieu de la séduction, au milieu de la compromission, il vient quand même indexer ceux qui sont dans sa volonté. Donc on n'est pas toujours obligé de suivre la masse. Si la masse dit, nous non, ne fais pas ça, on va être lent à faire ceci, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu peux être seul, comme Noé dans toute sa génération, à marcher dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas attendre que, bon voilà, que tout le monde dise, bon oui, au fait, oui, c'est comme ça, moi aussi je vais faire. Non.
tu peux prendre tes propres initiatives seul devant le Seigneur pour mettre les choses en ordre dans la volonté du Seigneur. Ensuite, maintenant, verset 5. Ainsi le vainqueur, toujours le vainqueur, parce que ça ne sera pas facile, il y aura un combat pour y arriver. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'effacerai pas? Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'effacer. Ça veut dire que mon nom pouvait être dans le livre de vie si à la fin, mes œuvres ne correspondent pas aux œuvres des gens dont le nom doit être dans le livre de vie. Il efface. Il efface ces œuvres-là. Il y a un bilan à la fin quand quelqu'un part. Le jour où tu te convertis, Dieu efface le tableau, il n'y a plus rien. Et à la fin, il réexamine le tableau. C'est ce que 1 Corinthiens 3 dit. Les œuvres de chacun seront passées au crible, seront examinées. Il va voir, est-ce que les œuvres là correspondent à les œuvres de quelqu'un qui dit être sauvé par moi. Auquel cas, si son nom doit être maintenu dans le livre de vie, gloire à Dieu. Si son nom doit être effacé, c'est effacé. Parce que Romains 8, je ne fais que le dire tout à l'heure, dit qu'il faut qu'à la fin, l'Esprit de Dieu demeure en toi. L'Esprit va s'attrister parce que tu es charnel. Il va s'attrister et finit par partir. Et s'il part, c'est fini. Ton nom n'est plus dans le livre de vie. Le Saint-Esprit sort avec en effaçant ton nom du livre de vie. En gros, c'est ça. Voilà pourquoi on doit veiller à produire toujours les œuvres de l'Esprit. Pour que l'Esprit reste en nous. Jusqu'à la fin. Ensuite, il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Bien entendu, si le nom est dans le livre de vie, là, le Seigneur va le confesser. Mais s'il a été effacé, il n'y a plus rien à confesser. Ensuite, verset 6, il dit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises toujours. Maintenant, l'église fidèle, l'église parfaite, l'épouse, le standard auquel nous devons arriver, c'est l'église de Philadelphie, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable. Celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance. L'église fidèle a peu de puissance. Nous qui cherchons absolument à manifester la puissance de Dieu, ce n'est pas là qu'on reconnaît l'église fidèle du Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas rechercher la puissance de Dieu. On doit la rechercher, mais ce n'est pas ça qui atteste que nous sommes dans la volonté du Seigneur. Parce que même les gens qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur manifestent même souvent la puissance de Dieu. Il a dit à la fin, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ils diront, n'avons-nous pas chassé les démons? Ça c'est la puissance de Dieu. Ils ont manifesté la puissance de Dieu, mais à la fin le Seigneur dit, moi je ne vous ai jamais connu, jamais de la vie. Mais c'est en mon nom qu'ils ont prophétisé, en mon nom qu'ils ont chassé les démons. Jésus ne dit pas ce n'était pas mon nom, c'était en son nom. Mais il dit je ne vous connais pas. Donc ce n'est pas la puissance qui atteste que nous sommes dans la volonté de Dieu. Voilà d'ailleurs l'église fidèle, l'épouse qui a peu de puissance. Recherchons la puissance mais soyons équilibrés. Alors, qui a peu de puissance et que tu as gardé quoi? Il met le bon équilibre dans les choses. La puissance, mais la parole est au-dessus. Garder la parole, c'est le plus important. Mais tu as gardé ma parole. Même comme tu n'as pas la puissance, tu as gardé quand même l'authentique parole. Tu n'étais pas compromis dans cette parole. Tu n'étais pas fourvoyé dans cette parole. Tu n'as pas rabaissé cette parole-là pour que tout le monde soit content. Tu as laissé la parole au standard qu'il fallait. Tu as gardé ma parole. Voilà ce que Jésus apprécie le plus dans l'église fidèle. Tu as gardé cette parole authentique là. Tu ne t'es pas laissé impressionner par le peuple, poussé par le peuple, acculé par ce que le peuple veut que tu dises. Tu as gardé ma parole. Pourquoi Moïse n'a pas vu la terre promise? Il va dire à Aaron, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom au milieu des enfants d'Israël. Parce que
que vous n'avez pas tenu à laisser ma parole veiller à ce qu'elle soit appliquée telle que je l'ai dit. Il n'a pas vu la terre promise à cause du peuple, pas à cause de sa désobéissance. D'où il faut garder la parole telle qu'elle est, quels que soient les vents et les marées que ça peut apporter. Même si on reste seul à la fin, il faut garder cette parole-là. Et là, on fera partie de l'église fidèle, Philadelphie, fidèle à la parole du Seigneur. Tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas fait comment? Renier mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent, on dit encore, qui se disent chrétiens, qui se disent juifs et ne le sont pas. Car ils mentent. Beaucoup ne mentent pas par leur bouche, mais leurs œuvres montrent que leur bouche ment. Parce que leurs œuvres ne correspondent pas à la parole que la bouche confesse. C'est à ce niveau-là que la subtilité se trouve. Parce que beaucoup disent, oh, bah, attends, moi je mens pas, moi je vous dis sur la vérité. Oui, d'accord, ok, tu dis la vérité. Mais ce que ta bouche confesse, les œuvres que tu fais, témoignent autre chose. Ça prêche un autre évangile. Ta bouche prêche quelque chose et tes œuvres prêchent un autre évangile, complètement différent. Et c'est là, dans cette contradiction-là, qu'il y a le mensonge. C'est pourquoi il dit, il ment. Car il ment. Voici, je les ferai venir se faire comment? Se prosterner à tes pieds, reconnaître que je t'ai aimé. Donc, celui qui reste fidèle au Seigneur, celui qui reste dans la volonté de Dieu, au final, le Seigneur viendra montrer que celui-là, celle-là, celui-ci, ceux-là sont restés dans ma volonté. Regardez leur état. Leur flambeau brille. Leurs œuvres sont là devant vous. Le fruit de leur vie spirituelle, les fruits que produisent leur vie spirituelle, c'est là. Vous pouvez authentifier que voilà des fruits authentiques, des vrais enfants de Dieu. Et vous reconnaîtrez que ceux-là, ceux-là, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, eux, ils étaient dans la vérité. Et nous, nous ne sommes pas dans la vérité. Parce que les fruits seront manifestes devant tout. C'est ça qu'il dit. Ici. Voici, je te livrerai, c'était le verset 9, des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Dieu fera cette différence-là pour qu'on sache qui effectivement est dans les œuvres dignes de la repentance. Parce que tu as fait comment? Il dit ça deux fois de suite dans l'église de Philadelphie. Regardez ce qui revient deux fois. Il le dit deux fois de suite. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé cette parole-là. Toujours la parole. Tu as gardé la parole de la persévérance. Donc tu as gardé la parole et tu as persévéré dans le fait de garder la parole authentique. Tu n'as pas changé d'évangile en cours de chemin, en fonction du désir des gens, en fonction de ce que les gens veulent entendre, en fonction de là où les gens veulent t'amener dans l'évangile. Non, tu es resté serein, concentré sur ce que Dieu dit que tu dois annoncer. Tu es resté centré sur l'évangile, le message du moment que le Seigneur te donne. Pas ballotté à tout vent, comme maintenant on parle de tel, tu te retrouves à pas. Non, tu es resté sur ce que le Seigneur dit. Tu as gardé la parole et tu as persévéré dans le fait de garder le bon dépôt fidèlement tel que le Seigneur l'a donné. Très important. Il y a un vrai combat spirituel à pouvoir garder la parole authentique du Seigneur sans se faire influencer par ceux qui l'écoutent. C'est très, très difficile. Si on ne demeure pas au pied du Seigneur, on sera influencé tout le temps. Tout, on aura tendance à écouter un peu ce que les uns et les autres disent et à vouloir converger dans le sens des autres. Pas du tout. Si tu fais ça, tu ne pourras pas être un ami de Dieu. Tu ne pourras pas dire la parole de Dieu telle qu'elle est. Si tu écoutes, tu as tendance à vouloir aller dans le sens des autres. Ça ne marchera pas. Jamais il faut demeurer au pied du Seigneur et dire ce que le Seigneur veut que ce soit dit là. Parce que c'est ça qui apportera la guérison aux gens. Même s'ils le prennent mal, même s'ils ont du mal à l'accepter, c'est ça qui va les guérir. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean 6, vers le verset 66 ou 72 en descendant. Quand le Seigneur dit, celui qui ne mange pas ma chair et mon sang n'est pas digne de moi, les gens commencent à se retirer.
Les disciples disent, mais qui peut écouter cette parole? Il dit, mes paroles sont esprit et vie, c'est par elles que vous vivrez. Les paroles dures que vous entendez là, c'est par elles que vous vivrez. C'est dans ces paroles qui ont l'air dures, qui ont l'air difficiles, que la véritable délivrance s'opère. C'est là-dedans. C'est ça qui est le véritable médicament de l'âme qui est malade. Mais si on est complaisant et qu'on veut se faire plaisir à soi-même, à la fin, comme le Seigneur a dit là à l'église de Sardes, on sera surpris. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, de l'heure de l'épreuve qui vient et qui va survenir dans le monde. Donc c'est parce que tu as gardé la parole de la persévérance que quand l'épreuve va venir, je te mettrai à l'abri. Pourquoi? Parce que tu auras gardé la vérité. Parce que tu auras été alerte sur les choses à venir. Tu auras discerné et que tu auras été dans la volonté du Seigneur. Alors ces choses-là ne vont pas t'atteindre. Ces phénomènes, que ce soit la grande tribulation, tout le reste là, tu seras épargné de cela parce que tu auras été dans la volonté de Dieu. Et parce que le Seigneur ne sera pas venu te surprendre dans ton état. Dans un état qui n'est pas le bon. Donc, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, je te mettrai à côté. Et il dit maintenant, je viens bientôt. S'il disait ça déjà il y a 2000 ans, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire peut-être, je viens maintenant. Alors, je viens bientôt. Qu'est-ce qu'il dit? Tiens ferme ce que tu as. Qu'est-ce que l'église de Philadelphie a? La parole. Tiens ferme avec cette parole-là. Ne joue pas avec cette parole. Ne commence pas à te compromettre. Ne commence pas à écouter à gauche, à droite pour te examiner tout cela à la lumière de la parole. Pour savoir si ça vient de l'esprit ou si c'est Satan qui veut t'amener déjà sur un chemin parallèle. Garde ce que tu as. Afin que personne ne prenne quoi? Ta couronne. Garde cette parole-là de manière authentique, telle que tu l'as reçue. D'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Retenez mes paroles, l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez dans les termes avec lesquels je vous l'ai transmis, autrement vous aurez cru en vain. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 2. On peut croire, mais croire en vain, si on a retenu un faux évangile, un évangile qui n'est pas l'authentique parole du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus rappelle ici qu'on doit veiller à garder la parole de vérité, la parole authentique, même si elle fait mal. Verset 12. Du vainqueur, je ferai quoi? Une colonne, autant pour moi, dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. À chaque fois, il dit toujours que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il donne le descriptif. C'est à nous d'analyser maintenant dans Philadelphie, qu'est-ce que le Seigneur a mis en avant? La parole et la persévérance dans le fait de garder cette parole et de l'appliquer dans notre vie. C'est ça qui fait que l'Église soit Philadelphie, fidèle dans le respect de cette parole-là et de la garder telle qu'elle est. On finit maintenant avec l'Église de Laodicée. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Encore un passage qui montre que Jésus est le Dieu créateur. Il dit bien l'auteur de la création, et c'est Jésus qui est en train de parler. Alors, l'auteur de la création de Dieu. Ensuite, maintenant, verset 15. Je connais tes œuvres. On voit à chaque fois, je crois qu'à toutes les églises, sans aucune exception, il a toujours mis l'accent sur les œuvres. Donc sur la manière de marcher, sur l'obéissance à la parole.
sur la manière dont tu pratiques cette parole-là. À chaque fois, il examine toujours les œuvres. Il ne dit pas simplement, tu as mon nom dans ta bouche. Oui, il en fait allusion, mais à chaque fois, il examine toujours les œuvres. Il dit, chacun sera jugé selon ses œuvres. Parce que ce sont les œuvres, les actes, les paroles, les pensées, c'est tout cela qui révèle l'état de foi que tu as, l'état de ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur examine ces œuvres-là. Il n'examine pas les paroles qui sortent de la bouche. Il examine la manière, l'incidence que ces paroles-là, qui sont peut-être bonnes du Seigneur, ont dans ta vie pratique, les œuvres. Donc, il dit encore, verset 15, je connais, Apocalypse 3, verset 15, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es comment? Tiède. Que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Chacun d'entre nous peut, à la lumière de ses œuvres, parce qu'il dit ici là, je connais tes œuvres. Et ce sont les œuvres qui déterminent la température à laquelle chacun est. Ou bien ses œuvres révèlent qu'il est froid, ou bien ses œuvres révèlent qu'il est bouillant, ou bien ses œuvres révèlent qu'il est tiède. Chacun, à la lumière de tout ce qu'on a lu là, peut savoir quelle est la température qu'il a, au travers de la température de ses œuvres. Chacun peut savoir s'il est froid ou s'il est bouillant. Je crois, normalement, ce qu'on a lu là déjà nous révèle si on est froid ou bouillant. On peut savoir dans quel état on est. On peut s'examiner, peut-être le mois dernier j'étais bouillant, ce mois-ci je suis froid, ainsi de suite. Mais on ne doit pas avoir, je crois que si quelqu'un a une température qui oscille comme ça, ça veut dire qu'il est malade. On est bien d'accord. Il doit avoir une température constante. D'ailleurs, bon, si elle est trop élevée, il est aussi malade. Mais si la température change comme ça, un coup, voilà, tu as 15 degrés, demain tu as 40 degrés, après demain tu as, je sais pas moi, 24 degrés, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu dois avoir une température constante. Ou bien, ok, d'accord, tu as 37 degrés tout le temps, tu chauffes un peu, vers 40 degrés, tu chauffes un peu, mais au moins tu es bouillant, ça on le sait. Ou alors tu es complètement froid, ça aussi, il dit de toute manière, il ne faut pas être froid, ça veut dire, il dit au moins... Il ne faut pas être, comment dire, intermédiaire. Donc, ok, on a bien compris qu'il ne faut pas être, il dit parce que tu es, tiens, attends, c'est où là déjà? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je ferai comment? Je te vomirai de ma bouche. Donc tu ne seras pas, tu n'es pas dans ma volonté. Ni froid, ni bouillant. Ça, on doit véritablement se poser la question, comment est-ce que nous sommes positionnés par rapport à froid, par rapport à bouillant? On doit d'ailleurs être tous bouillants. Et se demander maintenant, est-ce que je suis suffisamment bouillant? En réalité, normalement, l'église, c'est la question qu'on doit se poser. On doit être tous bouillants et se demander maintenant, est-ce que je suis suffisamment bouillant? Si on est encore à se poser la question, est-ce que je suis plutôt froid ou tiède? Là, il y a des sérieuses questions, sérieuses interrogations, sérieuses introspections que nous devons analyser à la lumière de la parole. Continuons au verset 17 maintenant. Il dit, parce que tu dis, ce n'est pas Dieu qui te dit, ce n'est pas Dieu qui dit, il dit, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Si tu te suffis déjà, tu dis, bon, ben, de toute façon, la manière dont je marche, je crois que c'est suffisant. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable. Donc c'est pourquoi on ne doit pas s'appesantir sur ce qu'on se dit, soit sur l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Nous devons nous examiner
au standard du Seigneur. Et c'est facile parce que c'est ce que le standard du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Si nous nous regardons à la lumière, telle qu'on voit les églises, on se calme, est-ce que je suis comme ça, comme ça, comme ça, ça nous donnera le tableau à la fin. On saura là où il y a des trucs à rectifier, à corriger, ainsi de suite. Ou s'il faut tout mettre à la poubelle et tout recommencer à zéro, peut-être ça peut être ça la solution aussi. Donc, il dit bien que toi tu te crois riche. Tu dis tu t'es enrichi et que tu n'as même plus besoin de rien. Mais Dieu lui te dit, il me dit que je suis misérable, pauvre, aveugle et nu. Aveugle, ça veut dire qu'il me manque le discernement. Donc si je suis quelqu'un de tiède, je n'aurai pas le discernement. C'est ça que ça veut dire aveugle. Nu, ça veut dire que je n'ai pas, comment dire, la couverture spirituelle, la protection, les œuvres qui font en sorte que le Seigneur m'approuve. Je suis nu, je suis sans fruit, je suis sans les œuvres dignes de la repentance, sans les œuvres dignes du Seigneur, je ne les ai pas. Et je suis aveugle parce que je ne vois pas selon le Seigneur. Le peuple voit, comme il disait dans, je ne sais pas si c'est Isaïe qui dit, ce peuple voit, mais il ne voit pas du tout. Je suis là, je vois les choses, les événements, mais je n'ai pas le discernement spirituel. Je vois selon la chair. Pourquoi? Parce que je n'ai pas développé cette communion spirituelle, cette proximité avec le Seigneur qui me permet de voir comme Jésus voit. De discerner comme Jésus discerne, d'être dans d'être sur la même longueur d'onde que le Seigneur. Parce que ma consécration n'est pas suffisante. Parce que mon intimité avec Dieu n'est pas suffisante. Parce que ma méditation de la parole de Dieu n'est pas suffisante. Parce que ma volonté, mon désir, ma décision de crucifier ma chair et de produire le fruit de l'Esprit n'est pas suffisante. Je ne peux pas voir comme Jésus voit. C'est pourquoi il va dire, je complète dans ma souffrance les souffrances de Christ afin de recevoir la gloire lorsqu'il se manifestera. Pour être dans la volonté de Dieu, il faut souffrir. Il dit à Timothée, souffre avec moi. Donc si je suis dans cette souffrance-là, pour manifester l'œuvre, pour manifester la crucifixion de la chair, ben là je vais voir comme Jésus était sur la croix en train de souffrir et qu'il voyait tout ce qui était en train de se passer, j'aurai le même discernement. Parce que je laisse la chair mourir aussi, je cherche à plaire et être dans la volonté du Seigneur, là je verrai les choses comme lui. Je ne peux pas marcher comme je veux. Et au moment où il faut avoir le discernement, je vois comme le Seigneur voit. Pas du tout. Je vais voir comme la chair voit. Parce que j'ai pris l'habitude de marcher comme la chair me demande de marcher. Donc je vais voir toujours les choses de façon charnelle, de façon sentimentale, de façon humaine, loin de la vision divine des choses, de la vision spirituelle des choses. Il faut qu'on en soit conscient. Parce que tout cela entraîne un aveuglement spirituel après derrière. Si je n'ai pas le discernement, je serai aveuglé spirituellement. L'aveuglement spirituel. C'est ça le résultat de ne pas être bouillant pour le Seigneur. Et là, on voit toujours la miséricorde de Dieu. Il dit, je te conseille. Donc, il vient, il dresse un bilan et il dit le médicament qui va avec. Toujours. Et ça, c'est la bonté du Seigneur. Satan, lui, va venir dire, ah, tu as vu dans quel état tu es, c'est fini pour toi. Lui, c'est ce que c'est dans cet état-là qu'il va te laisser. Mais le Seigneur vient, il te dit ton état et il te donne la solution. Il dit, voilà le médicament. Mais je ne vais pas prendre ce médicament pour te forcer à le prendre. Je ne vais pas ouvrir ta bouche et mettre le médicament dedans. Non. Je pose le médicament sur la table. C'est à toi de venir le prendre, de prendre de l'eau et puis de boire le médicament. Oui. Toi, tu as un devoir de le prendre. Mais je te montre simplement, voilà le médicament. Après, la suite, c'est toi qui le fais. Ensuite, maintenant, il dit, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, voilà dans l'exhortation, le médicament, je te conseille d'acheter chez moi l'or éprouvé par le feu. Passe par l'épreuve. Et l'épreuve que tu vas subir va faire grandir ta foi et manifester l'œuvre qui est digne du Seigneur. Donc, il ne faut pas rejeter l'épreuve dans la vie. Il faut que notre foi soit éprouvée par le feu. Afin que tu deviennes riche. Riche maintenant, selon le Seigneur. Afin que ta foi soit authentique. Que les œuvres qui vont sortir de ta foi soient des œuvres qui viennent du Seigneur.
les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Éphésiens 2, verset 10. C'est cela que le Seigneur recherche. Que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, ceux du Seigneur, les œuvres que le Seigneur apprécie, ces vêtements blancs-là, les œuvres de justice. On le sait bien, les vêtements de fin lin, ainsi de suite, qui est la justice des saints. Et un autre passage d'Apocalypse de dit, afin que tu sois vêtu et que ta honte et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc, au regard du Seigneur, tu peux être nu, complètement dénudé parce que ta propre justice, tes œuvres, c'est un vêtement souillé devant le Seigneur. Ça ne vaut rien devant le Seigneur parce que au travers de l'épreuve du feu de la parole de Dieu, ça ne passe pas. Mais si tu t'es repenti, tu es revenu au Seigneur, aide-moi à marcher. Le Seigneur va t'aider à produire ces œuvres-là, ce fruit de l'esprit, cette crucifixion de la chair, c'est de bien réagir dans l'épreuve comme il faut pour que tu puisses véritablement te tenir dans la présence de Dieu sans rougir. Donc, ta honte ne paraîtra pas devant les gens, devant le Seigneur. Et il dit, et un collier pour oindre tes yeux. Donc, si tu viens dans cette repentance, le Seigneur va t'accorder après le discernement. Parce que tu vas passer de la chair à l'esprit. Tu vas passer de la marche charnelle à la marche spirituelle. Tu vas passer du discernement lié, enfin, même pas du discernement, tu vas passer de l'appréciation des choses inspirées par la chair, inspirées par l'homme, au discernement spirituel qui vient de Dieu, inspiré par sa parole. C'est pourquoi il parle d'un collier pour que tu vois. C'est voir avec les yeux de l'esprit, voir comme Dieu voit. Et là, Dieu pourra même commencer à te prévenir des choses qui vont venir plus tard, afin que tu t'y prépares. C'est là où est toute la bonté de l'Éternel. Ensuite, il dit un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Maintenant, verset 19, « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. » C'est là vraiment qu'on voit que ces messages-ci ne sont pas pour nous blâmer. Comme je disais, Satan, il va nous blâmer pour nous décourager et nous laisser dans cet état de découragement. Mais on voit à chaque fois, le Seigneur avertit et il donne la solution. À chaque fois, il avertit et il donne la solution. Et maintenant, vers la conclusion ici, il dit, tout cela, je vous le dis pour vous corriger. Pourquoi? Parce que je vous aime. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons des vierges folles. Il ne veut pas que nous soyons surpris par l'état dans lequel on sera quand il va revenir. Il veut que nous soyons l'église de Philadelphie. Voilà, en résumé, c'est ça. Il veut qu'en revenant, il trouve l'église de Philadelphie et qu'il puisse prendre tous ceux qui ont été sauvés. C'est ça le but du Seigneur. Tous ceux qui sont nés de nouveau, il veut les prendre tous. C'est pour ça qu'il prévient à l'église, il avertit l'église ici. Il ne parle pas aux païens ici, il parle à l'église. Alors, ensuite maintenant, je reprends verset 19, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie du zèle et repens-toi. Ce qui va entraîner la repentance, c'est la motivation de plaire à Dieu, le zèle pour le Seigneur. Aie du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà encore le résumé de ce que je disais tout à l'heure. Le Seigneur dresse le diagnostic spirituel, ton bilan d'état de santé, mon bilan d'état de santé spirituel. Il dit, voici, tu es atteint de ça, 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 ça. Voici le médicament ici. Et il laisse sur la table. Et puis il dit, je te conseille de le prendre selon, je ne sais pas moi, 3 fois par jour, un comprimé, ainsi de suite. Bref, il te donne la posologie et il part. Maintenant, tu fais ce que tu veux. C'est pourquoi il dit ici, on l'utilise souvent pour amener les païens à Christ. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il parle à l'église de Laodicée. C'est à une église qu'il parle comme ça. Donc, il ne frappe pas et il enfonce la porte. Il entre, il dit, tu vas prendre le médicament, tu vas te répandre. Non, pas du tout. L'Esprit de Dieu ne travaille pas comme ça. Je me tiens à la porte, donc il nous respecte, il respecte notre choix, il respecte notre volonté. Volonté qu'on est censé lui avoir soumise le jour de notre baptême.
on est censé avoir confessé Jésus comme notre Seigneur. C'est-à-dire avoir pris la décision en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, de lui soumettre entièrement notre volonté. Mais il la respecte. Il ne nous force pas à lui soumettre notre volonté. C'est pour ça qu'il se tient à la porte. Il ne vient pas et puis bon, il ouvre la porte, il entre. Non, il se tient à la porte et il annonce d'abord. Il frappe par quoi? Par la parole aussi qu'il nous a dit. Il a averti. Il frappe. Si je me repens maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre. Parce que je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai donné la possibilité de travailler dans ma vie, de changer les choses, de réorganiser les choses dans ma vie. Puisque je lui ai dit, donné cette autorisation, j'ai pris la décision et l'engagement, non pas devant l'Assemblée, mais devant le Seigneur seul. Le Seigneur entre et il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire qu'il sera désormais en communion avec moi. Cette communion-là, et quand nous sommes dans la communion avec Dieu, Dieu nous donne le discernement. Adam était dans la communion avec Dieu avant le péché. Et c'est le péché qui a rompu la communion avec Dieu. C'est pour ça que quand Dieu est venu, on a vu tout à l'heure dans Genèse 3, dans le jardin, il allait se cacher. Parce que cette communion a été rompue à cause de la transgression, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Comme Ésaïe 59, verset 1 à 2 nous dit, c'est à cause de votre péché que la face de l'Éternel demeure, vous demeure cachée. Je me tiens à la porte, je frappe, j'entrerai chez lui. Si quelqu'un entend ma voix. Donc il faut déjà entendre cette voix. Quand on prêche l'évangile, quand on entend la parole de Dieu, il faut déjà se sentir concerné. C'est ça, entendre la voix. Bon, si je ne me sens pas concerné, effectivement, ça ne va rien produire dans ma vie. Ça sera un beau message qu'on va accrocher quelque part. Oui, j'avais entendu un beau message. Mais est-ce que ça a transformé ma vie? Dieu seul le sait. Maintenant, s'il entend ma voix et il ouvre la porte. Donc, un, je reçois ce message-là comme étant le mien. Deux, j'ouvre la porte. Donc, je comprends que je suis concerné et je prends la décision de laisser Dieu transformer ma vie, changer les choses qui ne vont pas. Deux, c'est ouvrir cette porte-là. Maintenant, le Seigneur fait sa part. J'ai fait ma part. Le Seigneur fait la sienne. C'est d'entrer maintenant chez lui et de souper. Lui avec moi et moi avec lui. Lui avec moi et moi avec lui dans la communion. Donc je peux prier, mais aussi entendre Dieu me répondre. Quand je suis loin de Dieu, je prie, je n'ai pas Dieu, je ne vois même pas comment Dieu me répond. Je lui pose des questions et je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne répond pas, mais parce que j'ai des choses qui empêchent que je puisse entendre ce que Dieu me dit. Parce que j'ai laissé ces choses-là sommeiller dans ma vie, donc je n'entends pas la réponse de Dieu qui revient. Mais là, il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, il y a cette communion-là. C'est un dialogue avec Dieu, pas un monologue. Je parle à Dieu et Dieu me répond. Et je peux écouter et entendre ce que Dieu me dit. Je peux discerner quelle est la réponse de Dieu par rapport à ce que je lui ai demandé. Là, je suis en communion avec le Seigneur. Lui avec moi et moi avec lui. Versets 21 et 22, on finit là. Le vainqueur, il y a toujours quoi? Un vainqueur, donc un combat et un adversaire. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. La gloire vient après la croix. Comme moi, j'ai vaincu. Toujours, ce que le Seigneur nous demande, lui, il est d'abord passé par cette étape-là. Il nous a d'abord montré le modèle, le chemin, l'exemple à suivre. Et ensuite, il nous demande de faire comme lui l'a fait. Il ne nous demande pas quelque chose sans nous donner un modèle. Lui-même, il est passé par la souffrance, il est passé par le rejet, il est passé par le renoncement, il est passé par la crucifixion de la chair, il est passé par toutes ces choses-là, jusqu'à la mort même d'ailleurs. Quand il dit persévérer jusqu'à la mort, lui, il est allé jusqu'à la mort. Une mort certaine qu'il savait, mais il n'a pas reculé. Père, toutefois, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Voilà la prière que le Seigneur nous demande de faire. Que ta volonté soit faite. Au final, même si la chair a peur de mourir, Seigneur, je reconnais quand même qu'il est mieux que ça soit ta volonté que la mienne. Donc, voilà ma chair, tu l'as, qu'elle meure, et puis qu'on n'en parle plus, qu'on parle maintenant de communion avec toi. Donc, lui-même, il a vaincu.
Et je me suis assis dans en conséquence du fait qu'il a vaincu. Il s'est dépouillé lui-même, comme Philippiens dit, jusqu'à prendre la condition humaine, nourrie de la mort, de la croix, ainsi de suite. On voit comment il s'est détaché, il s'est dépouillé de toute la gloire. Il a laissé de côté beaucoup de choses pour nous montrer cet exemple-là. Je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Donc si nous voulons nous asseoir sur son trône, autant pour moi, nous asseoir avec le Seigneur, il y a tout un travail à faire. Et il finit toujours par la même conclusion que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises que nous sommes aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur m'accorde la grâce en premier, qui ait dit ce message-là de la part du Seigneur, de pouvoir véritablement mettre en pratique tout ce que nous avons dit, examiner, encore réexaminer encore ma vie pour savoir est-ce que je suis dans la foi. Quand je parle de moi-même, mais en même temps, le premier destinataire du message, c'est d'abord celui qui prononce le message de la part de Dieu. Et ensuite, cela s'adresse à tous ceux et celles qui entendent ce message-là. Donc, vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir passer de la légèreté dans notre relation avec Dieu à plus de consistance, à plus d'examen, à plus de consécration, à plus d'intimité. Parce qu'on se rapproche des temps de la fin. Que vraiment notre pensée soit tout le temps connectée et renouvelée par les pensées de Dieu. Afin que nous ne nous endormions pas dans un raisonnement, dans une séduction, dans les travers de ce monde-ci qui sont là pour nous distraire. Tel qu'on a pu le constater, tellement de choses sont là pour nous éloigner de l'essentiel. Mais là, résumé comme ça, les lettres aux différentes églises, les sept, on a pris le temps de les balayer, nous montrent vraiment l'essentiel de Dieu. Ce qui est consistant pour Dieu dans les derniers temps. La manière dont nous avons marché. Vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce et l'assistance du Saint-Esprit de ne pas nous éloigner de ces saintes vérités-là, même si elles nous dérangent, même si elles nous font mal, même si elles peuvent nous montrer qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est par amour que le Seigneur nous montre ce qu'il y a, il reste encore à faire afin que nous puissions vraiment être dans sa volonté pleinement et être vraiment dans cette préparation-là à son prochain retour. Être véritablement des vierges sages et non des vierges folles. Vivre vraiment avec circonspection comme Éphésiens nous le dit dans ces temps qui sont les temps de la fin. Que vraiment l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir y arriver. Parce que c'est la volonté du Seigneur. On a vu dans toutes les conclusions, toutes les exhortations qu'il donnait toujours. C'était vraiment parce qu'il veut que son Église puisse être vainqueur. Il ne veut pas que l'Église puisse être vaincue. Donc, ça, c'est la volonté du Seigneur. Donc, si le Seigneur a cette volonté-là, cela signifie que la part du Seigneur, il va être fidèle pour la faire. Maintenant, c'est à nous également d'être fidèles dans notre part. Notre part, nous devons la faire afin que le Seigneur puisse faire la sienne et que ensemble nous puissions être victorieux et entendre le son de la trompette. Parce que ne nous y trompons pas, le but final, c'est d'entendre le son de la trompette. Si on rate ça, vraiment, tout ce qu'on aura fait, toutes ces belles prédications, tout ça, ça ne sera que du vent. Ça ne va nous servir à rien du tout. Donc vraiment, le but ultime, le but final, c'est celui-là. C'est vraiment d'être prêt, d'entendre le son de la trompette. Voilà pourquoi, puisque le son de la trompette est lié à la parole de Dieu authentique, la mise en pratique de la parole de Dieu authentique. Voilà pourquoi il faut la donner sans la diluer, donner le standard de Dieu tel qu'il est. Et que maintenant, nous demandons la force, nous demandons la ressource
Nous demandons la persévérance. Nous demandons l'endurance au Seigneur pour pouvoir y arriver. La volonté de Dieu est que nous y arrivons. Donc Dieu est fidèle pour nous accorder la force de traverser toutes les calamités, toutes les tribulations, toutes les séductions, tout ce à quoi nous sommes en proie, qui semble vraiment être des géants, des montagnes qui veulent nous empêcher de pouvoir participer. Sachant que les derniers mètres de la course seront les plus difficiles. Ça, déjà, le monde nous montre ces choses-là. Quand on voit, par exemple, que ce soit les courses cyclistes, le Tour de France, le Tour de je ne sais pas trop quoi, les Jeux Olympiques, où on voit ceux qui pratiquent les 5000 mètres, les 10000 mètres, les je ne sais pas trop, toutes les disciplines qu'il y a, les 1000 mètres, on voit que les derniers mètres à parcourir sont toujours les plus difficiles. Les derniers mètres à parcourir sont les plus difficiles, mais sont les plus importants. Parce qu'on peut avoir dominé la course. Je ne sais pas moi, si on fait 10 tours du terrain, on peut avoir dominé la course sur 9 tours et demi. Mais sur le dernier demi-tour qui nous reste, on se fait distancer par les autres. Ou on peut tomber carrément avant d'avoir franchi la ligne. Et là, on aura perdu tout le produit de la course, tout l'effort des 9 tours et demi qu'on aura fait, on aura perdu le produit de cet effort là. Donc voilà pourquoi vraiment les derniers mètres qui restent seront difficiles. Nous y sommes déjà, nous le ressentons déjà, sachant que ça ne va pas s'améliorer, mais comme le Seigneur a dit,